C'est comment? News behind news. C'est comment, Fanny? Anna, c'est comment? Comment vous allez? Venez, on parle de news behind news. News behind news. Bonjour, Fanny. Bonjour, Will. Comment vous allez? What's going on? Everything's going on, bro. Everything's going on. Just share the video. Just share the video. We have some news to talk about. Bonsoir, princesse. Comment tu vas, chérie? Comment tu vas? Et comment Magina, comment tu vas chérie, comment tu vas? Guy François, comment tu vas? Bonsoir Magina, comment tu vas? Vraiment, merci pour ton partage. Merci Ahmed, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment le Cameroun debout. Donc, en attendant, Tommy. Oui, j'ai changé là, j'ai changé, tu vois un peu. J'ai un peu coupé là, donc il faut changer parfois, tu vois un peu. C'est ce que je voulais dire, parfois quand tu vois que tout le monde fait la même chose, tu essaies de faire un peu de ton style, quoi. Tu changes pour voir, c'est ce qu'on appelle, il faut changer, il faut faire un peu de style. Quand tout le monde va dans ta même ligne, tu essaies de voir comment, ce que tu peux faire pour faire la différence. C'est ce que je dis souvent aux stars camerounais, que bon, il faut souvent faire la différence, il faut être unique, quoi. Oh, merci, ça, c'est bien, non? C'est bien, n'est-ce pas? Oh, Jack, c'est comment depuis l'Allemagne, là, c'est comment? Merci Fanny, il faut faire un peu original quoi. Quand tu es quand tu es quelqu'un qui a une marque, il faut mettre ta marque en valeur. Il faut changer, il faut que quand on te voit, on sent. Merci, très bien, merci. Donc aujourd'hui c'est juste pour parler de news behind news. Oh, merci. J'aime bien que tout le monde. J'avais honte de vous montrer. Je me disais que personne ne devrait aimer. Donc, ça veut dire que les gens aiment, quoi. Je suis content. Ça va, Dada, ça va, Dada Soleil. Mais nounou, mes gens. Jacques, fais la commande. Fais la commande. Ah bon? Ah, oh, merci Chantal, merci, c'est super. Merci. Oh, merci que vous aimez. J'avais vraiment honte, je t'assure que je voulais pas me mettre. J'ai dit que bon, mouiller, c'est mouiller. Donc, celui qui n'aime pas, tant mieux. Mais je pense que beaucoup de gens aiment ma nouvelle coiffure. Ça veut dire qu'il faut changer quand même. Merci. Comment Kevin, comment tu vas? Parce que, imagine, la dernière fois, aujourd'hui, là, on va parler de la nouvelle collection, on va parler de la dépression, on va parler de la politique, on va parler de Haïti, on va parler un peu de, on va parler un peu de Flore, on va parler de la PDG, on va parler d'Arafat. Donc, c'est la nouvelle coupe, c'est la nouvelle coupe. C'est la nouvelle coupe. Ce n'est pas encore dehors, c'est la nouvelle coupe. Donc,
Je veux bien que les gens suivent et puis s'ils peuvent aimer, bon, si ça peut les aller comme ça me va, tant mieux. Bon, si ça ne peut pas les aller, bon. Jacques, merci de partager. La nouvelle collection est sortie, justement, c'est de ça qu'on va parler d'abord. On va parler de. Vous avez vu comment c'est passé sur. Allez sur la page Supermodèle Bertini, vous allez voir, c'est là. C'est là, c'est dans la nouvelle page. Suivez-moi là-bas et mettez cette page-là en valeur, s'il vous plaît. Partagez la page Supermodèle Bertini parce que j'aime des conseils, j'aime travailler avec vous. S'il y a des gens qui voient que il faut ajouter un truc sur la collection, j'aimerais bien les aider. Oui, imaginez, tu m'as demandé si la culotte là allait avec. Voilà la culotte. Voilà, tu peux le mettre avec ce haut, tu peux le mettre tout simplement aussi. Tu peux le mettre simplement. Ah. Tu vas tricher. Yeah, please go ahead, check on it, check on it. Check, tu vas aimer. Merci que vous avez aimé ma coiffure, mais c'est bien. Merci que vous avez aimé la coiffure. Donc, je voulais dire que ceux qui sont en France, là, j'ai beaucoup de gens qui commandaient pour la France, là. Désormais, à partir du 1er juin, il y aura une boutique à Paris. Il y aura une boutique en Europe, à Paris principalement. Si c'est à Paris, ça veut dire que les gens qui sont en Europe, les gens qui sont en Allemagne, en Italie, c'est facile de poster quand c'est déjà en Europe, quoi. Donc, il y aura une boutique, pas une boutique Bertini. Je suis en train de travailler en collaboration avec une boutique à Paris qui va porter la marque Bertini et que vous pouvez en procurer, quoi. Parce que, étant à Paris, ça prend généralement moins de temps, mais quand j'envoie à partir d'ici, ça prend généralement 2 semaines, 2 semaines, et ça m'énerve quand les gens n'ont pas, tu vois, un peu. Yeah, July 1st, July 1st, we're gonna have, I'm working on collaboration with a shop in Paris, so you guys can have Bertini collection over there. Donc, ne vous dérangez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, surtout pour c'est l'été. Il y a les culottes qui sont là. Il y a d'autres choses qui sont aussi sorties. Et le Prési, le Prési, le Prési, le Prési. Gars, je t'attends seulement. Je t'attends grave seulement. Donc, vous pouvez passer par le Prési, parce que le Prési, ceux qui sont tatates avec le Prési là. Comme le président sera ici, ils peuvent en avoir une, deux pièces. C'est mon président. Donc, président, je sais que tu as vraiment fait, tu as gâté Jaguar hier. Tu l'as bien gâté hier. C'est vraiment l'anniversaire, c'était l'anniversaire de l'année, quoi. Quand j'ai revu les vidéos de Flo hier, c'était vraiment, j'étais obligé de poster parce que je voyais des gens pleurer. Je voyais des gens pleurer. Déjà, je voyais des gens appeler qui pleuraient. J'étais en train de dire que, mais qu'est-ce que cette femme-là a vraiment? Elle a mis Jaguar en Jacques tellement que, franchement, c'est une femme qui a vraiment, merci Panthère, merci, comment tu vas? T'es une femme, je ne sais pas ce qu'elle a. Pourquoi les gens appelaient, les gens pleuraient. Donnez le cœur à Prési pour qu'elle donne un Jaguar à moi. Donnez le cœur à Prési. Venez lui le cœur. Merci de t'avoir. Mais Prési, je t'appelle, tu nous dis un peu ce que tu as fait, non? Je t'appelle un peu, tu nous dis un peu ce que tu as fait avec. On parle un peu de ton arrivée, quoi. Tu viens de dire un peu ce que, comment tu as mis la main en haut. Je suis en train de t'appeler là. Hein. Je suis en train de t'appeler là. Comment tu as. Je veux que tu viennes nous dire comment tu as fait pour. Comment tu as passé l'anniversaire avec. La madame, avec la première dame, tu viens nous expliquer ça ici. Appelle alors, appelle-moi alors. Non, 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 j'étais en train de t'appeler là tout à l'heure là.
Bon, voilà les cœurs qu'on envoie pour Jaguar. Voilà les cœurs qu'on envoie pour Jaguar. Donc, je disais qu'à partir du 1er juillet, on pourrait avoir les collections Bertini. OK. Je relance l'appel. Ah, merci que vous avez aimé mon look là. Le nouveau look. Merci que vous avez aimé le nouveau look. Bon, je viens de relancer l'appel là. Donc, parce que quand j'envoie à partir d'ici, ça prend un peu du temps. Donc, si ça marche bien, à partir du 1er juillet, vous pourrez en procurer à la collection Bertini à partir de Paris. À partir de Paris. Police, je suis en train d'appeler. Je vais relancer, man. Je suis en train de relancer encore. Je te vois là. Je te vois là. Ouais, que le truc ne m'indemne pas aujourd'hui, normalement. Ouais. Il a bien donné. C'est comment le plaisir? Bertini, l'homme de la Ouais. marque du moment. Comment ça va? En tout cas, ça va très bien, man. Ça va tout bien. On est en train de préparer le terrain, quoi. On est en train de préparer le terrain. On arrive, on vient profiter du beau temps Faut en californien. profiter, hein. Faut en profiter. N'oublie pas qu'on va refaire l'anniversaire. On va refaire l'anniversaire là encore ici, le style Los Angeles. Ah oui, on est obligé de faire ça dans un cadre américain. Now you're talking, tu vois, non? Dans un cadre américain. Comme on avait fait à mon Je suis anniversaire. avec madame, je suis avec madame et les enfants. What's up? J'espère que vous avez eu le temps de bûcher un peu l'anglais, n'est-ce pas? Oh, tu sais, Bertini, l'anglais que je parle, c'est un anglais de l'école, c'est pas l'anglais du quartier. Donc Oh, voilà, ça les roule. Américains seront obligés de se conformer à l'anglais de l'école. Parce que l'anglais qu'ils parlent là, c'est souvent comme l'anglais de Fleur de Lys. Non, non. L'anglais de Flore est compliqué. L'anglais de Flore est compliqué. Fleur de Lys parle un anglais compliqué, bizarre. Ah, je sais pas où l'anglais a compris. En plus, il n'y a pas d'anglais. Parce que ton anglais, tu es obligé de la regarder quand elle parle. Même si elle ne parle, même ce qu'elle dit là, même si elle ne dit pas, même si elle ne dit pas ce qui marche, tu es obligé de la regarder et accepter. Je sais que yes. Tu sais, quand les Américains vont la voir ici à Los Angeles, quand elle va parler, on va Flore, souvent dire que yes. c'est une fille de New Bell et de Ndokoti. Donc, elle est à côté des marchés. Et tu sais que dans les marchés, c'est le pidgin qui gagne. Elle est très spontanée avec son anglais là. Parfois, Exactement. elle parle seulement l'anglais. Je ne sais même pas si quand je regarde, je me dis, mais Flo, ton anglais là, c'est Elle l'anglais a le de. même niveau avec Verlaine. Elle a le même niveau avec Verlaine. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Là, Là, c'est vrai. Elle a le même niveau avec Verlaine. Et il je suis peut avec madame et les enfants. On part manger chez un couple ami vietnamien. Regarde, l'anniversaire était comment hier? Alors, raconte même 2 minutes. C'était trop bien, mais malheureusement pour moi, je suis en train de jeûner, donc je ne pouvais pas la toucher. Gars, non, 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 non. Tu peux pas me dire ça le jour de. Ah non, 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 passe là, passe là, passe là, passe là, passe là. Parler de Voilà. toucher. J'ai dit, Jaguar, rien ne s'est passé. Rien. C'est un musulman. Le jeûne se coupe à partir de 18 h, à partir de minuit.
C'est là où c'est bon. Non, pour moi, c'est toute la journée, toute la nuit. Président, président, président. Mais sinon quand même, vous avez, il y a quand même des petits câlins comme enfin, les câlins, ce n'est plus ce que vous, on vous connaît déjà dans le réseau avec les câlins. Parce que Non, tous les minutes, là, toutes on est les minutes, habitué. tous les minutes, toutes les minutes. Je dis, tu comptes même souvent les câlins là? Non, tu ne peux pas compter. Puisqu'on fait pas, donc ça vient de manière spontanée. On compte quand on attend C'est mais vraiment spontané. Par jour, vous pouvez même mordre même combien de fois? Par jour, vous pouvez même mordre combien de fois? Hein? J'ai entendu les rumeurs qu'on attend encore un bébé. Ouais, il a planqué. Nous sommes vieux pour faire des enfants, on a déjà arrêté. J'ai vu, on a posté la photo de Jaguar avec Cardi B, l'américain Cardi B. On a posté, on a montré leur petit ventre là. Les gens ont demandé si c'est Jaguar, si, qui entre les deux est enceinte. Tu sais que les gens veulent à tout prix voir encore un enfant, mais ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de cris la nuit. Les bébés pleurent la magie. Quand j'ai entendu que tu allais jouer, gars, tu as joué dernièrement avec les footballeurs là. Ou bien toi-même tu es Mais parti avec ton équipe. j'étais un grand joueur. C'est parce que ça m'a abandonné le foot pour aller ailleurs. Toi-même tu as l'équipe nationale à la maison. Donc vous jouez tous les Voilà. jours. C'est ça. Flo Pantin Jaguar me quitte là. Je dis, Flore Panthère Jaguar, elle, Flore Panthère Jaguar, là, c'est qui, non? C'est une fille de New Bell. Flore Panthère, elle a pris tout, hein? Flore C'est la Panthère fille des Jaguar, quartiers Amol. difficiles. Flore Panthère Jaguar, Amol. C'est une fille de. Être vraiment, elle est au Cameroun ou bien elle est en France, ça va? En tout cas, dès qu'on arrive là, on va beaucoup nager parce que j'ai besoin de l'eau de la mer avec le sel pour laver les. Ne te dérange pas. Après Los Angeles, c'est l'eau. Après l'eau, c'est le La ciel. plage du Malibu. Il n'y a plus un pays là-bas devant. Il n'y On a plus un avait vu un pays. cimetière là-bas avant le Malibu. Le cimetière là donne envie de mourir. Tu te rappelles du cimetière? Un cimetière où tu peux manger même le riz. Tu peux t'asseoir, Non, tu le peux cimetière manger là le donne fruit. envie de mourir. C'est trop beau. Et alors, tu vas faire rire le jour là. Tu dis Jaguar, le cimetière là donne envie de mourir. Le jour que tu arrives, tu passes au cimetière, tu dis que je vais mourir. Ok, Bertini, je salue toute la famille. Je vais me Je concentrer comme je suis salue toute les la enfants. famille. Je salue vraiment. Allez, Je dois continuez. suivre les enfants. On vous attend. Il y aura, le Je mouvement vous sera souhaite très une bonne fort. Donc, soirée. prenez même les tennis Que de parce bonnes que ça choses. serait fort. Que de Voilà. bonnes choses à vous. Merci, merci, merci. Donc je voulais parler de news behind news aujourd'hui. J'ai déjà parlé de la collection, c'était le point d'aujourd'hui. Voilà la collection Bertini qui est là, la culotte d'été qui est là. Donc c'est ça, c'est ça. Ça vient avec toutes les tailles. Tu peux le mettre avec le haut là. Et puis encore, j'ai dit que à partir du 1er juillet, nous on pourra avoir une boutique à Paris. Donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la collection. Allez à la collection Supermodèle Bertini, likez la page et puis et je ne veux pas, je vous ai dit, je ne veux pas cotiser. Et puis ceux de Los Angeles qui veulent toujours, qui veulent, sachez que Amo vient avec sa collection aussi. Bizarrement,
Bizarrement, Flo même devait venir avec ses trucs. J'ai fait une vidéo la dernière fois où je faisais la publicité de ça. Je disais que ce que les gens de Los Angeles arrêtent de m'appeler pour me dire comment ils veulent être. Parce que Flo aussi a ses business, donc il faut la supporter. À l'époque, elle faisait les business d'un produit là. Et puis je voulais que ceux qui sont ici, qui voulaient être avec elle, peuvent s'en procurer. Mais bizarrement, bon, ça a tourné au macabo. Donc Flo sera là. Mais ceux qui veulent, c'est pas que vous qui êtes de Los Angeles, qui ne supportez pas. Mais quand vous entendez que Flo, vous êtes les fans de ces gens-là, vous venez, c'est vos gens, c'est mes gens, nous sommes tous la même famille. Donc si vous ne me supportez pas, vous ne pouvez pas les supporter. Ça commence par soi. Nous, moi, on est à Los Angeles. Donc, quand vous m'appelez pour me dire que vous voulez passer le temps avec vos stars, oh, il faut qu'on soit ensemble. Quand même, la moindre des choses, la culotte là coûte 40 dollars et puis la casquette coûte 25 dollars. Ne serait-ce qu'une casquette, vous pouvez en procurer pour être avec eux. Ce n'est pas que je suis égoïste. Bon, ce n'est pas l'égoïsme, c'est quand même que. Il faut qu'on essaie de changer, quoi. Parce qu'on ne peut pas être à Los Angeles. C'est que vous m'appelez pour dire que vous voulez être avec vos stars, on est ensemble et que arrêtons quand même l'hypocrisie, quoi. Donc, ça ne coûte rien, qu'il n'y a pas de problème. Donc, ces gens-là, il y a des gens qui m'ont appelé parce qu'ils veulent que ces gars viennent manger chez eux. S'il y a trois femmes, il y a Flo, il y a Verlaine, il y a Jaguar. Cette femme-là peut préparer. Elle peut préparer. En plus, on a pris un truc, on a pris une maison où il y a la cuisine et tout, elles peuvent préparer, c'est pas qu'elles ne peuvent pas préparer, c'est pas en disant qu'elles viennent manger chez vous que elles ne peuvent, elles vont venir. Non, c'est pas normal. Supportons-nous. Donc ça, quand vous venez, il faut qu'on se supporte. Je sais que c'est toi qui es là. Donc quand vous venez, comme je disais encore, à l'époque, elle avait son produit. Et j'ai fait la publicité de ça, croyant qu'elle devait être là, elle devait vraiment être là avec ce produit. Les gens passaient déjà les commandes, mais ça s'est gâté. Donc, si il y a Jaguar, il y a Amot qui vient avec sa collection. Donc, si vous voulez qu'on soit ensemble, au moins, venez avec de l'argent. Vous pouvez avoir la collection Bertini, vous pouvez avoir la collection Amot et qu'on est ensemble, on a du bon moment. Donc, pardon, Bipé Flore, non, elle vient même ici, là, elle vient même dire bonjour. Parce que Bipé aussi Flore, Bipé Flore. Bipé la reine mère, elle vient là. C'est comment Barangata? C'est comment mes gens, c'est comment? Bipé là, j'ai vu une vidéo, il était 4 du matin, c'est sûr qu'elle est en train de dormir. Bipé là. Non, la culotte d'été, la culotte d'été, 40. L'euro là, ça coûte 80, l'euro là seulement. Donc les ensembles peuvent coûter 120 dollars. Donc en tout cas, ceux qui sont à Paris, vous aurez ça le 1er juin. Vous aurez ça le 1er juin. Donc, bonsoir Vanessa, bonsoir, comment tu vas? Bipé la reine met un peu là, elle vient nous dire. Et je lui ai dit qu'en venant, le Moussunga qu'elle parle toujours tout le temps, là, je n'ai jamais même goûté. Je ne sais pas si j'ai déjà goûté ça dans ma vie. Qu'elle emballe un peu de Moussunga, Madame Doudou Ngamba, emballe un peu le Moussunga là. Je ne sais pas ce que c'est que le Moussunga. Ça fait longtemps que je suis sorti de ce pays-là, je ne connais pas le Moussunga. Qu'elle garde un peu. Tu as dit quoi, Rosalie? Bonsoir. Rosalie, réponds, écoute-moi. PDG, c'est PDG dans le direct. Mais dis qu'elle me salue au moins, sinon, comme ça, je l'appelle. Comme je ne sais même pas son profil. Parce que quand elle va venir là, c'est à elle-même que je vais dire ça. À elle-même que je vais dire ça. Donc, bipez-la. Qu'elle envoie un message là, je l'appelle. Qu'elle vient même seulement 2 minutes. J'ai envie de lui donner 2 minutes. Salut Georges, salut, comment tu vas? Comment tu vas?
Vous pouvez aller, Vanessa, tu peux aller à Bertini, Supermodèle Bertini Collection. Tu fais une capture d'écran, tu envoies sur inbox. Ou bien si tu vas, si tu vis, si tu, je pense que si tu vis aux États, si tu vis aux États-Unis, c'est facile. Tu peux aller, tu peux payer par PayPal sur le website la collection Bertini. Ou alors ceux qui sont en Europe là, le 1er juillet, on pourra avoir un magasin à Paris et on pourra avoir un magasin à Paris pour ça. Voilà, Doudou et Gamba. Salut, comment tu vas? Je disais là tantôt que n'oublie pas d'envoyer le Misunga, ton Misunga là, que Flo fait trop la publicité. Je veux voir vraiment comment ça se passe, comment ce que c'est. À Londres, c'est facile. À Londres, on peut vous envoyer ça à partir de Paris aussi. Même à partir, j'en ai envoyé à partir de Londres. C'est que juste si ça ne passe pas, je vais toujours envoyer. Je suis obligé de l'envoyer à partir d'ici. Mais ça dépend du contrat. Vous savez, les trucs du collègue, les trucs, travailler en collaboration, ce n'est pas facile. De la soleil, la reine mère est là. Comment elle peut être là? Ma soeur, tu es où, ma soeur? Viens, viens, ma soeur, viens là. C'est qu'elle m'appelle toujours mon frère, je l'appelle ma soeur. Quand j'appelle, elle dit que mon frère. Elle appelle ma soeur, je l'appelle ma soeur, elle me dit mon frère, c'est comment? Comme ça qu'on s'appelle. Quand ils viennent ici, là. Donc, c'est ça, c'est justement ça. Donc, ça, c'est la collection. Allez sur la page Supermodèle. Dada Soleil, je sais que vous êtes les grandes personnes. Invite tes amis, invite les abeilles de partager la page. La page, là, n'a que 1000 personnes. Et je ne veux pas payer comme les gens payent pour... Oui, j'en ai envoyé à Londres déjà. Et si je viens pour avec Washington, si je viens avec pour l'événement de Washington à UK, je vais amener, je vais venir avec certains aussi. Donc, ne te dérange pas, tout le monde en aura. Et patientez beaucoup, pardon, patientez, parce que il y a les gens de Londres, de la Suède que j'ai envoyé. Et depuis, ça fait presque 2 semaines, ils n'ont pas encore reçu. Patientez, je vous ai envoyé les reçus et tout. Et puis, donc, ça va arriver. Vous savez que quand ça quitte ici pour arriver aux États-Unis, c'est un paquet. Les gens commandent les 3, 4 pièces, ça vient dans un carton. Donc, ça passe, non, ça passe aussi à la douane aussi là-bas. Ça passe aussi à la douane. Donc, la douane parfois perd le temps. Oui, alors, il y a quelqu'un que sa femme l'a énervé à la poste. Et il ne prend pas le paquet pour aller partager quoi. Il faut patienter. Il faut patienter quand vous faites les commandes. Pardon. Pardon. Il faut patienter. Donc, c'est ça pour la collection Bertini. Vraiment, cette année a été vraiment difficile. Surtout la semaine passée, il y a eu beaucoup de morts. Les gens sont morts. La vie que vous voyez là est très, très, très courte. Vous voyez un peu. Donc, quand vous voyez comment vous aimez quelqu'un, il faut qu'on s'aime. Il faut aimer. Ne regardez pas le mauvais côté de la personne. Regardez le bon côté. Supportons-nous. Vous avez vu, il y a une fille à New York, une fille quand même, une Ghanéenne, qui s'est suicidée. Il y a eu beaucoup de suicides. Celle-là de New York qui s'est suicidée. Les gens disent que machin, c'est son téléphone qui est tombé, elle allait chercher au téléphone. Non, mais quand ton téléphone tombe sur les rails, moi j'ai vécu à New York pendant 15 ans. Quand ton téléphone tombe sur les rails, la première chose, le premier réflexe, c'est aller au kiosque, aller dire que ton téléphone est tombé. Tu ne peux pas sauter dans les rails pour aller prendre le téléphone. Non! Donc, c'était un acte de suicide. C'était pas que elle est allée chercher son téléphone. Franchement, moi, mon téléphone tombe, je ne vais pas descendre sur les rails. Surtout qu'on sait que les rails sont électrifiés. Je ne vais pas descendre sur les rails. Donc, elle est partie, elle s'est suicidée. Et on ne sait pas pourquoi. Et la même chose pour le gars qui voyage parfois, là, Baudouin, là, qui voyage parfois, là. Qui voyage depuis. Moi, pour moi, je ne pourrais pas imaginer que quelqu'un a un problème. Tout le monde a les problèmes, les gens. Tout le monde a les problèmes. Vous ne pouvez pas imaginer que cet homme-là peut avoir un problème. Il voyage. Mais je ne la vois pas encore. Je ne la vois pas encore. Je ne la vois pas encore. Donc, un gars qui voyage. Ah, je l'ai vu.
s'élève là. Il voyage, je ne pouvais pas imaginer que cette personne-là. Donc, ça veut dire que quand on Même pas la accepte. connexion. Allô, Ma soeur. oui, attends, j'entre un peu au truc, hein. Pardon, Oui, je entre, suis. maman, entre. Attends un peu, je n'ai pas assez de batterie. Je suis au coq noir. Attends. C'est bon. Tu vas Mon venir frère ici, on parle, va monsieur. passer tout le temps. Donc, même si c'est 2 minutes, c'est pas grave, quoi. Non, je suis en réunion d'affaires là. Ah, it's about time, baby. It's about time. Fais les affaires, là. Prends Frère, je suis l'argent, en là. réunion d'affaires. C'est comment ton Toujours. frère? Comment, ma soeur? Tu as vu ma part de coiffure aussi? Waouh, ça donne, comme d'habitude. Bonsoir à tous. Tu J'ai vois, même non? que 2 minutes de batterie là. C'est bon, J'ai c'est parlé bon. avec le direct. T'as vu, c'est bon, ça marche. Tu vois, non? Je voulais seulement Oui, te vous dire êtes que capable de j'ai. la joie d'arriver quand même à personne. Hein. Non, 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 non. Est-ce qu'on donne? Même moi, quand je vais au Voilà. Cameroun, là, est-ce que je donne? On me voit seulement, on me voit seulement au Cameroun. Je suis en réunion d'affaires. Non, c'est bon, je voulais te voir juste, je voulais te dire que c'est bon. Je sais qu'il va te voir. Tu sais que quand on s'appelle, non? Donc, il n'y a pas de Oui. problème. On s'appelle. Tu sais, Voilà. quand je vais te dire, je te dis ça toujours en solo, il n'y a pas de problème. Je voulais Oui. seulement dire que, je voulais seulement aussi que mes fans te voient aussi. Là, voilà. Voilà. Je leur dis que ne m'appelez pas pour dire que, oh Bettina, on veut être avec la reine, mais quand elle va venir, et quand vous ne pouvez même pas acheter une casquette. Et 2 jours avant le problème là, j'ai fait la publicité que la reine est en train de venir avec sa collection. Donc avant de venir passer le temps avec nous là, gardez votre argent pour acheter. Les gens ont tellement appelé pour acheter, pour passer comme 2 jours après, ça s'est gâté. Toi, Ça s'est gâté. Pascaline, c'est comment? Je suis avec la famille. Pascaline Temgwa, je suis avec la famille, comme tu connais là. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai des personnes qui attendent Tu sais là. quand tu vas Toujours venir restaurant là? de Côte d'Ivoire, Quand mais tu vas venir dans là? ce restaurant qui accueille les ministres, là où ça ne sent pas les odeurs de nourriture, là, quand tu entres là, les habits ne sentent pas la fumée. Maman, désormais, c'est ici que vous pouvez me voir, au Coq Noir. Donc, la reine-mère sera à Los Angeles la semaine prochaine, c'est la surprise. Voilà, je ne ferai pas beaucoup de surprises. Voilà, mon frère, je t'embrasse, hein. On ne dit Bisous. pas, on ne dit pas. Ce que je vais te faire, la surprise que je vais te faire, parce que tu sais que mon travail là, tu Merci, seras à mon frère. Merci l'aise. à Bélène Rapide de Mokolo. Merci à toute la team de Los Angeles, de LA. Merci à Tata Jeneba qui partira de New York. Je J'espère. vous garde plein de positions secs. Hein. I hope you learn some English, You're welcome. Thank you. right? I hope you know. Love you. Love you. I hope you learn some English. Parce You're que welcome. on va te laisser Hey. dans un coin où il n'y aura personne, tu vas te débrouiller et parler. Yeah, I do understand. Hey, maman, c'est l'anglais que vous voulez voir. Maman, yes, I'm hear you, baby. I Hear love me, you. right? Yes, I God understand bless that. you. God bless you. God Maman, les bless you. Américains, l'église. Everybody loves you. Me too, I love Wana. C'est le pigeon du sous-quartier du Cameroun, là. Tu sais I love Wana. ce que le président m'a dit que ton anglais et l'anglais de Verlaine, c'est la même chose. Même comme Verlaine, c'est le Congolais qu'il a fait là. C'est le Donc, Congolais. c'est Même comme Verlaine est ici aux l'ami des États-Unis, ton vendeurs anglais est même de chose que ton marché de anglais. Mokolo et de Niebel, là. OK. Hi. Next week, you welcome. Hey. Next week, Come we're gonna see you, baby. Have a good time, okay? Yes, thank you. Love you. I love you very much. J'ai un truc à te dire. J'ai un truc à te dire devant les gens, pardon. Oui. La vidéo, j'ai vu une vidéo hier, là. Franchement. La Merci, mon vidéo, frère. là. Ça, c'est la. Merci. Parmi toutes tes vidéos, hein. Ça, c'est la vidéo que. Tu sais que j'ai toujours partagé ta vidéo dans un profil différent. Mais la vidéo, là, Yeah. j'ai partagé dans mon. J'ai dit que non, regardez vous-même. Qu'est-ce qu'il y a Love ici? you. Regardez pourquoi. Regardez une vidéo que les gens Thank pleurent. you, my God.
You know what? That's all I wanted to tell you, baby. Go to your work, and I'm going to see you next week, all right? God bless you. N'oublie pas le Misunga que tu fais la publicité de ça tous les jours. Ok, je peux dire le Misunga, non? Maman, on est aux États-Unis avec les viandes, machin, tout ça. Oh, tu voulais qu'on m'arrête? Oh, donc, professeur, oh, donc, on ne prend pas les produits, ne viennent pas du Cameroun. Hein? Ah, ça ne vient pas du Cameroun, mais si ça vient de la France, on accepte, c'est ça. Non, je veux dire. Allô? Bon, elle est partie. Vous m'écoutez là? Vous m'écoutez? Dis oui. Vous m'écoutez? Allô? Ok, merci Dada. Ok. Donc, c'était ça quoi. Donc, je disais que vous voyez quelqu'un comme celle-là. Qu'est-ce que tu as détesté sur une personne? Une personne comme celle-là, tu n'as rien à détester. Une personne qui est bien naturelle. Je disais que je prenais l'exemple pour le gars qui est mort, le gars qui voyageait à CNN, il mangeait tout. Ça veut dire qu'il vivait bien. Il vivait bien, il n'avait pas de problème. Mais comment quelqu'un comme ça peut se suicider? Comment quelqu'un comme ça peut se suicider? Comment quelqu'un comme ça peut se suicider? Donc, quand vous voyez des gens sur la toile, pour certaines personnes, c'est des thérapies. Cette femme-là, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé depuis Los Angeles, qui sont à Los Angeles, qui m'ont dit pardon, pardon Bettini. La femme-là, elle, la joie qu'elle me fait, je suis nurse. Il y a des moments, il y a des heures de 3 heures. Il y a 3 heures, il peut avoir 3 heures, je n'ai rien à faire. Mais je vais juste rester dans son direct, écouter ses directs du passé, les directs qui sont passés. Ça perd le temps. Et elle pointe ses dos. Ça veut dire que pourquoi je ne peux pas détester, je ne peux pas la détester parce que je ne connais pas son, je connais son présent, je ne connais pas son passé. Et même ceux qui la même détester quelqu'un pour son passé, ça n'a pas de place. Si quelqu'un fait, s'il y a du mal et du bien, mal et du bien, qu'est-ce qui va gagner? C'est le bien. C'est le bien qui gagne. On oublie le passé. On va avec le bien. On continue avec. Donc voilà le gars. Il y a aussi une femme qui s'est suicidée, Kate Spade. Une styliste de marque à New York. Elle a mis le foulard sur. C'est le news behind news. Hein. Elle a mis le foulard sur la porte. Elle a attaché. Elle s'est suicidée. Une femme comme ça va se suicider. Pourquoi? Avec tout son argent. Avec toute sa gamme, les vrais problèmes. Elle au moins, on connaît. Le Baudouin, au moins, on a dit qu'il prenait la cocaïne avant. Il prenait la cocaïne avant, mais il était clean. Il était clean, il ne prenait plus. Mais parfois, ça, comme on dit que qui a bu boira, parfois ça revient, quoi. Ça revient. Donc, il s'est revenu ou alors il est retombé dessus parce qu'il avait un peu de stress et ça l'a pris. Parce que ça traumatise. Ça traumatise. Quand tu prends la cocaïne, quand tu prends tout ça, là, ça traumatise. Hein? Vous voyez, celle de New York, qui est une designer, styliste, elle met le foulard derrière la porte, elle se suicide. Moi, ça me fait la peine parce qu'il y a beaucoup de gens là, beaucoup de noirs qui ont des problèmes dans le cœur, mais qui ne disent pas. Ma nièce que vous voyez, Soleil Lout. Comment tu vas? Ma nièce est morte l'année passée. Elle allait sur le fleuve Sanaga se suicider. Moi, ça me fait mal. On peut acheter sur mon site. Si tu vas sur la collection Bertini. Si tu vas sur la collection Bertini, tu peux acheter dans le site. www.lacollectionbertini.com. Oui, le foulard était Kate Spade. C'est elle qui s'est suicidée avec le foulard. Mais elle, par contre, sa petite soeur est venue dire qu'elle était bipolaire. Non. Flora Foggia, ton commentaire, non, n'est pas... Je ne suis pas le genre, là, tu comprends. Hein? Je ne suis pas... Avant,
Il y avait Bertini, après il y aura Nora Bertini. S'il parlait le faire, ce que je le faisais depuis quoi? Ce que je ne suis pas dans ces histoires-là, vous comprenez? Donc le foulard, sa sœur a dit qu'elle était bipolaire. Donc il y a des gens qui ont des problèmes dans le cœur. Dans le cœur. Ça va, Max? Ça va? Comment tu vas, mon grand? Ça va? Eh, Djéné Bali. Je vais vous parler un truc pour cette Djéné Bala. Djéné, je vais dire ça ici parce que toi, tu es une fille de cœur aussi. Une fille. Djéné, je connais Djéné, ça fait pratiquement 15 ans quand je suis arrivé à New York. Et c'est ma belle-sœur. Donc, Djéné a beaucoup fait aussi sur ma collection. Djeneba a beaucoup fait sur ma collection. Je vais vous dire un truc que je ne vous ai jamais dit. Que je vais dire ça là par rapport à cette fille. C'est Djeneba, pour me supporter, a acheté. Je vais vous dire, j'ai les larmes aux yeux. Djeneba a acheté. C'est Djeneba qui achète, qui me dit, envoie au couple Messan, je paye. Envoie à Marie la Rose, je paye. C'est Djeneba. C'est Djeneba. Elle est quand même, elle est aussi le genre folle, folle là. Mais c'est une fille qui est réglo, quoi. Elle sait. Elle est déjà folle, folle là. Mais c'est une fille qui est, je la connais particulièrement. C'est ma belle-sœur. On a fait la même réunion ensemble. Donc, elle m'a beaucoup aidé aussi sur cette collection-là. Donc, je lui donne beaucoup de respect. C'est elle qui a collecté, qui m'a dit de shipper. Elle a payé, ship au médecin. C'est mes amis. Ship à Marie Laroux, c'est mon ami. C'est elle. Merci, Djeneba, merci beaucoup pour ça. Je le dis ça là. Donc, quand les gens ont des problèmes, je disais que ma petite soeur s'est suicidée sur le feu de Déa. Un matin, comme ça, elle est partie. Elle m'a appelé 4 jours avant. Elle me dit, tonton, tonton, tu nous as abandonnés. Tu m'as abandonné. Vous voyez, je ne savais pas. Je ne savais pas pourquoi il y a des gens qui posent des actes. Si c'est des gens proches de vous, essayez de poser la question, pourquoi ils posent. Pourquoi il pose des actes comme ça là? Posez-vous la question. Si j'avais appelé ma nièce, peut-être j'aurais pu la sauver. Peut-être ou peut-être pas. Mais ça m'a fait mal. Ouais, tu as aussi acheté pour les amis de ton mari. Merci, merci encore. Les actes qui. Si j'avais appelé ma petite soeur, ma nièce, je lui aurais peut-être sauvé la vie. Donc quand vous voyez des gens qui posent des actes, des actes négatifs surtout. Posez-vous la question. Posez-vous la question, pourquoi ils posent des actes? Parce que les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes dans le cœur. Les gens ont des problèmes dans le cœur qui ne peuvent pas, surtout le noir. Ils ne peuvent pas voir un psychiatre. Ils ne peuvent pas voir. Ici aux États-Unis, quand quelqu'un fait un acte comme ça, on dit qu'il a un problème. On l'envoie chez un psychologue. Mais en Afrique, quand quelqu'un pose un acte comme ça, on ne peut pas. On ne peut pas. Salut Warren, salut comment? On ne peut pas. On va le laisser dans, mais on va le laisser et aller dans son jeu. On va le laisser dans son jeu. Pourtant, il a les problèmes dans son cœur. Pardon, il faut supporter, il faut supporter, il faut supporter les gens. Il faut supporter, il faut aider les gens, aimer les gens. Même quand les gens font des actes. Demandez-vous, posez-vous la question. N'allez pas en besogne. Commencez à aller piquer. Parce que plus vous les piquez, certaines personnes, c'est même une thérapie pour eux. Hein. C'est même une thérapie. C'est même une thérapie. Comme je vous ai dit qu'il y a les gens que c'est leur thérapie de venir se mettre là et vous se mettre là et suivre la reine. Mais il y a certaines personnes, c'est leur thérapie. C'est leur thérapie. Et ça les aide. C'est pour ça que vous croyez que les gens aiment Flore pour rien. Parce qu'en thérapie, on te dit, en thérapie, on te dit, écoute la musique. Va faire les exercices. Va faire les exercices. On te dit, entoure-toi des gens. On te dit, entoure-toi des gens. Mais ça veut dire que si. Ça veut dire que si.
Oui, quand il y a bien sûr, quand quelqu'un est positif, il faut lui avouer, bien sûr. Mais quand quelqu'un est négatif, tu peux aussi, il faut essayer de voir pourquoi cette personne est négative. Il faut essayer de voir pourquoi cette personne est négative. Parce que cette personne peut être négative et que ce n'est pas elle qui fait cette, qui fait, qui fait, qui ce n'est pas la personne qui est en train de... Peut-être la personne, on dit souvent au Cameroun qu'il a été envoûté par le diable. Ce n'est pas la personne. Il faut prier pour cette personne-là. Il faut aider cette personne-là à revenir. Oui, parce qu'il y a des signes. Il y a des signes. Maintenant, il y a l'AVC, il y a le stroke, il y a ceci qui s'arrête. On dit en thérapie, il faut écouter la musique. Donc, si quelqu'un se met à écouter Fleur de lys 3 heures du temps, ça c'est une thérapie. Ça c'est une thérapie. Ça c'est une thérapie. Je te parle. Hein? Donc, franchement, c'est ce que je voulais aussi dire par rapport Allô? à la Allô? situation. Allô, bonjour, la star Bettini. Bonjour, 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 ma belle-sœur. Bonjour, comment tu vas? Oui, comment vas-tu? Elle, ça va? Ça va très bien, on est là, tranquille. Tu sais, après Élé, c'est l'eau, après l'eau, c'est le ciel. Donc, quand on a Élé N'est-ce là, pas? oui. Quand on a Élé là, on essaie de faire où tu es, où tu n'es pas. C'est pas pour tout le monde. Ah, C'est ok. pas pour tout le monde. Je viens de me réveiller, je viens de prendre ton truc en cours. Bon, je ne sais pas quel est le but du sujet. Non, non, il y a, C'est c'était le news behind news. C'était le news behind news. C'était juste, il pas. y avait certains trucs. Tu sais que mon direct, ce n'est pas. Mon direct, c'est juste pour vous dire ce que vous ne connaissez Ok. pas de l'autre côté. Parce que beaucoup de gens Oui. connaissent de l'autre côté, donc on mélange, je vous Oui. ajoute certaines informations que vous ne connaissez pas quoi. Donc Bonjour, j'ai la parlé de la fille qui est tombée à New York là, la Oui. Ghanéenne qui est Oui. tombée. On dit que c'est le cellulaire, j'ai dit que ce n'est pas le cellulaire, que c'est pas le cellulaire. Je ne sais pas si ton cellulaire tombe au train sur le New York là, tu vas descendre aller chercher. Jamais, parce que tu vas te faire écraser par le train, ça c'est sûr, Même tu ne s'il n'y a sais pas pas le comment. train. Même s'il Tu n'y ne a peux pas le pas. train, tu vas aller appeler les gens du kiosque là pour leur dire que ton téléphone est tombé, non? Mais bien sûr, bien Voilà. sûr, bien sûr. Donc, pour moi, c'est un acte de suicide. C'est un acte de Ok, suicide. C'est un acte de bon, suicide. je vais dire un petit coup. Bonjour la team PDG, se partager le direct de Bertini. Je voudrais vraiment qu'on supporte Bertine. C'est votre frère camerounais. Il fait la mode il y a vraiment très longtemps. Il est très, très courageux. C'est quelqu'un que je connais très bien depuis mon arrivée aux États-Unis. Ça fait plus de 15 ans. Bertini, c'est un homme qui s'est vraiment battu seul de l'Afrique en Afrique du Sud jusqu'aux États-Unis. Et c'est un frère vraiment encouragé. Un single dad avec des jumeaux, une fille, un garçon il a supporté toute sa vie. Ils sont maintenant grands, indépendants. Et Bertini se bat jusqu'à présent pour faire sa ligne de marque Bertini. Moi, je l'ai supporté. J'ai fait beaucoup d'achats, comme il a dit, pour les amis de mon mari. Moi-même, mes amis, comme il a dit, les Messans, que j'aimais beaucoup avant. Même aujourd'hui, je les aime. Ça va, je ne peux pas dire que je les déteste, ils m'ont rien fait. Mais je voudrais que vous supportiez Bertini. Pour sa mère, Bertini, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui est vraiment neutre dans toutes ses bêtises sur la toile. Donc, il ne faut pas dire que vous allez le supporter, qu'après, il va venir décevoir la reine. Mais non, Bertini n'est pas ce genre de personne. Il est là pour son business et il n'est pas là pour les bêtises. Donc, supportons-le, la reine mère arrive à aller avec le couple Amont. Et Bertini va bien les supporter. Et moi, Bertini, je l'ai introduit à la reine mère. C'est moi qui envoie Bertini à Maryland pour voir la reine mère pour lui donner un cadeau, Bertini, n'est-ce pas? Voilà. Et tout est parti de là. Et Bertini a donné sa marque à la reine mère et à beaucoup de gens. Donc, moi, c'est mon petit témoignage. Bertini, moi, tu as mon support. Je te supporte à 100% et je continuerai à te supporter. Tu Non, comprends? merci, merci, merci. Beaucoup de courage, beaucoup de courage. C'est pas facile, hein? L'oiseau fait son nid petit à petit, Bertini. Et tu vas arriver là où tu dois être un jour. Ah, vraiment, tu sais, tu as vu mon parcours. Donc, c'est devant toi que j'ai. C'est devant vous que. Bien. Devant les gars de New York que j'ai avancé. Donc, voilà quelqu'un qui connaît mon parcours. Donc, ça veut pas dire que j'étais toujours battant. Avant même d'arriver, même à New York, je suis passé par beaucoup de pays avant d'arriver. Donc,
Franchement, bon, si vous pouvez supporter, vous supportez, mais vous ne pouvez pas. Bon, j'ai vendu le chewing-gum au stade. J'ai vendu. Voilà. Si tu as travaillé dans l'enfance, même dans l'avenir, tu vas Voilà. travailler. Tu n'as pas besoin. Si les gens ne te supportent pas, tu vas créer créer Voilà. des moyens, des stratégies pour te battre seul. Merci Comme Dada je l'ai. Soleil, merci Nivakine, le support, supportez-le. Bertine a un frère qui est sourd-muet. Il a aussi son website pour les sourds-muets. Il fait African Top Model. African quoi même? Mister Africa, USA. Mr. Africa, il fait ça à New York chaque année pour les sourds-muets au Cameroun. Il a ça, il fait les dons. Il fait beaucoup de choses, Bertini. Il va chaque année au Cameroun. Vraiment, moi, je demande à la team de le supporter. Partagez sur vos murs le lien pour que les gens puissent faire les achats. Vous comprenez? Ouais. Voilà. Voilà. Ça, c'est mais Donc, ça, vive c'est. la reine mère, vive la neuf de Facebook, l'unique PDG. Moi, je suis là, je supporte à 100%, rien que la reine mère. Je supporte les autres qui l'aiment. Celui qui se retourne contre la reine mère, moi, je me retourne contre toi. Moi, Bertine, je suis ce genre de personne. J'ai supporté beaucoup de gens dans la team. Toi, tu es un commerçant, tu dois être neutre. Mais moi, je suis là pour la reine mère. Et j'ai acheté beaucoup de choses à beaucoup de gens dehors à cause de la reine mère. Et si ces gens se retournent contre la reine mère, et moi, je me retourne contre eux. Et maintenant, on va encourager notre PDG à faire sa ligne aussi, à faire son commerce, et on va aussi la supporter. On en a marre qu'elle fait la pub de plein de gens qui sont ingrats, qui ne reconnaissent pas ses bienfaits. Et nous, on va juste l'aider. Il faut qu'elle avance aussi dans sa vie, Bertini. Bien sûr, parce que donc laissez là, ce que je vais vous dire, c'est que, parce que je vois les gens disent toujours que, maf, il faut faire ça, t'as pas de ligne. C'est une femme qui a été créée par Dieu. C'est Dieu qui l'envoie. J'ai encore vu sa vidéo hier où elle parlait comment c'est par rapport au machin, machin, qu'elle est devenue star. Il y a beaucoup de filles qui ont le même trajet que elle, mais qui n'ont pas l'amour. Vous comprenez un peu? Qui n'ont pas le même amour que ce qu'elle a, que les gens lui donnent. Ça veut dire que Dieu sait ce qu'il fait. Il y a des gens que Dieu utilise comme channel. Donc, quand je peux dire que laisser là, ça va arriver, elle va le faire. C'est depuis quand je l'ai rencontrée qu'elle m'a demandé que c'est comment. J'ai dit que toi, Langa, si tu ne peux pas faire ta part, elle dit que laisser, ça va arriver. Quand ça va arriver, ça. Imaginez un parfum fleur de lys. Un parfum. Seulement le nom. Seulement le nom, fleur de lys. Imaginez Bertini. Quand tu comprends, il y a les noms. Les gens vont créer des marques. Mais il y a des marques que le nom seulement t'amène à acheter. Tu comprends un peu? T'amène à acheter. Je ne vois pas fleur de lys avec les habits. Ça ne donne même pas un peu. Les habits fleur de lys. Je vois une crème fleur de lys. Je vois un parfum fleur. Je suis dans la fashion, je peux vous dire. Je vois un parfum fleur de lys. Je vois une crème. Super. Vous voyez comment la crème là allait avec elle. Quand elle déposait ça devant elle comme ça là, tu voyais la crème et la crème. Mais regardez alors les habits et fleurs de lys. Ça ne part pas un peu la même. Tu vois, mais quand elle porte, c'est bien, mais ce n'est pas. That's not her, you know what I mean? Ça, c'est pas. Le nom et la marque. Quand je dis Bertini, les gens quand mon nom Bertini, là, ça passe parfois, les gens croient que je suis une bière, je suis un styliste, je suis un Italien. Je suis ceci, ça passe, ça passe. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une chaussure, ça peut être. Mais ça passe. Pour un peu, fleur de lys, une tennis, ça ne peut même pas passer. Une tennis, fleur de lys. Tu vois un peu? Fleur de lys parfum, ça passe. Fleur de lys rouge, moi je parle, tu vois le rouge à Rouge lèvres, à ça peut lèvres, passer. rouge à lèvres, c'est pas. Marc Fleur de lys, le rouge à lèvres, ça Tout ce passe. qui Le est la parfum, ça passe. beauté, tout ce qui est beauté. Tout ce qui est beauté, c'est elle. Parce qu'elle Mais incarne la Bertini, beauté. elle sera à LA. Il faut beaucoup t'asseoir avec elle. Non, Tu lui non, non, donnes non. tout Moi, c'est le depuis au contrôle. début. Donc, moi, j'ai laissé que c'est Dieu qui va la pousser. Et Dieu va lui donner le moyen. Les moyens. Les moyens peuvent être financiers. Les moyens peuvent être humains. Les moyens. C'est Dieu qui va lui donner. Le Quand on dit que le support. temps de Dieu. On dit que quoi? Le temps de Dieu n'a pas quoi? Le temps de Dieu, On comment dit on quoi appelle ça? encore, Drussi? Le temps de Dieu n'a.
un truc pour dire que Dieu sait comment il fait ce truc, quoi. Oui, une lingerie. Oui. Une lingerie, c'est encore elle, c'est encore pas encore aller. Mm-hmm. Une lingerie, tout ce qui est beauté, tout ce qui est le corps. Voilà, flanc cosmétique, voilà, quelqu'un a bien écrit flanc cosmétique. Voilà, sorti, tout ce qui est cosmétique, c'est elle. Métique. Donc, quand les gens disent qu'on va la faire, vous allez la pousser à faire ce qui n'est pas bien. Laissez-la faire, laissez-la prendre son temps. Et je vous dis encore que les faux profils, les lingerie abeilles, aussi. Vous êtes peut-être la deuxième catégorie. Avec l'équipe Flo, il y a des gens comme vous qui sont les avocats, mm-hmm. les businessmen, qui causent avec elle la bataille. Hein, qui causent c'est avec vrai. Elle. Donc, quand elle n'est pas d'accord mm-hmm. avec vous, ne lui prenez pas mal. C'est parce qu'il mm-hmm. y a des gens qui travaillent avec elle. Hein? Voilà. Il y a des gens qui voilà. travaillent avec elle. Mm-hmm. Dans le tel c'est vrai, moi, ce que. Moi, j'ai plein de choses que je lui dis, seulement que sur WhatsApp, je communique avec elle, je lui dis, enfin, ça, c'est en privé. Ce que je dis sur la toile, c'est différent de ce que je lui dis en privé, moi. Donc, c'est ça. Et puis, il faut que Flore, il faut que la team pédagogique sache que Flore a beaucoup de supporters étrangers. Donc, moi, je vous conseille de fois arrêter beaucoup d'insulter les étrangers. Hein? Je sais que vous, les Camerounais, vous l'aimez, mais si vous regardez les gens qui aiment ma faute, si vous regardez les 100%, je vous dis que 50%, c'est les étrangers. Hein? Ben, il faut que la team sache ça. Parce que non, deux fois, non, quand quelqu'un se bien sûr, après tout, c'est l'Afrique. Tu ne peux pas, parce que si vous faites comme ça, là, et puis elle sort une marque, et que vous avez commencé à détester certaines régions, comment les gens la vont supporter? Essayons de réfléchir, quoi. Essayons de réfléchir. Non, ne commencez parce que pas deux à fois, la dire, team... de l'aimer, et Oui, puis la team... vous fermez la barrière. Et puis, ce qui me plaît, ce n'est pas ce qu'elle fait. Elle n'a jamais dit que je. Elle n'aime pas. Elle n'a jamais dit ça parce qu'elle est sage. Elle est sage. Elle est trop intelligente. Elle n'a jamais sorti de sa bouche parce que c'est qu'elle sait que ce qui sort de sa bouche là, ça peut gâter devant. Elle n'a jamais sorti de sa bouche une fille comme ça là. Bon, Donc c'est quand vous ça. dites Moi, le conseil que tu es je ivoirien, donne donc à la team. ce n'est pas bon. Voilà. Et vous voulez Je donne le qu'elle. conseil à la team. S'il y a même un étranger qui supportait Flore et qui se retourne, insultez la personne, mais ne vous en prenez pas Pas, ne au pays de généralisez la pas, personne. justement. Oui, Ne ne généralisez prenez pas. pas, ne vous, voilà, parce que les gens qui supportent Flore vont se sentir aussi indécis. Ils vont dire que, ouais, on supporte le PDG comme elle est, mais ça, on se prend quand même à notre pays, ça fait quand même mal. Donc, en prenez-vous à la personne, mais pas au pays. Moi, c'est ce que je voudrais vraiment dire à la team, s'il vous plaît. Dans la team, il y a toutes sortes de pays. C'est international. C'est du Oui, sud à mais l'ouest j'ai à... vu le direct hier, j'ai vu les gens du Gabon qui parlaient là. J'ai Voilà. vu, mais Oh! franchement, non, Les tant que Gabonais l'adorent. Les Ivoiriens l'adorent. Les Togolais aussi l'adorent. J'ai dit qu'un fleur de l'île est aimé partout. Si on regarde 100%, 50%, c'est les étrangers. Il faut savoir ça. oui, c'est Tu parce que, comprends? oui, justement, c'est parce que elle est camerounaise et beaucoup, c'est les Camerounais qui interviennent. Il y a les autres pays, franchement. Voilà, Je connais il y a les autres pays, mais Nivakin ça. m'a bien parlé. Nivakin Mais... t'a bien dit. Sans toutefois prononcer sa nationalité, voilà. Parce que ça frustre les gens de la nationalité des autres pays. Tu vois, c'est parce que l'amour du peuple, ça peut. J'ai mangé dans le restaurant ici. Le restaurant ici, comment on appelle le restaurant là à New York, là, sur Harlem. Oui. La À fille, Africa ou bien les la c'est ambassades. l'ambassade, non pas l'ambassade, celui sur la 116 là. J'ai mangé là-bas. Chez les Oui, j'ai Ivoiriens mangé là. là-bas à cause de Flore parce qu'elle m'a vu la dernière fois avec Flore. Je suis arrivé là-bas, elle me dit que elle est ivoirienne. Elle dit grand frère, j'aime la fille là, pardon, j'aime la fille là. Si elle arrive ici à New York, pardon, dis-lui de venir manger. À cause de je te fais manger parce que franchement, je l'adore. Elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne, Voilà. elle est ivoirienne. Donc, en tout cas, Merci, merci. ce n'était Merci pas. la team, partagée. Tu es mon Partagez co-host, le tu restes direct, là, tu es mon partagez. co-host. Tu ne pars nulle part, tu es mon co-host. On va parler d'autres choses ensemble. Donc, maintenant, Oui. on va parler de. Ouais, je suis en train de parler des trucs généraux, quoi. Donc, je parle Oui. de l'histoire qui n'est pas ici. Si toi, tu es dans la culture, j'ai vu aussi Arafat qui a parlé, qui a demandé les excuses. Tu connais l'histoire d'Arafat, non? Il y a mon Oui. programme là. Hein? Donc, vous avez le news behind news. Arafat a demandé les Merci beaucoup. excuses par rapport à ce qu'il a fait
en Côte d'Ivoire. Alpha, vous voyez des trucs que les stars font, on fait des erreurs, tout le monde n'est pas parfait. Alpha a tapé un enfant, il a mis sur les réseaux. Un enfant qui est comme son enfant, il a mis sur les réseaux. Et ça le met en prison. Depuis, on l'attend, il ne veut pas partir. Il a concert ce vendredi à San Pedro, en Côte d'Ivoire, ce samedi. Donc, il sera vendredi. Tout le monde l'attend avec les griffes comme ça, là. Donc, il a demandé les excuses aussi. Il a demandé les excuses au gouvernement ivoirien de lui donner le temps et tout. Il a porté plainte. Donc, ce serait pas normal, Djenebab, ce qu'il a fait. Tu as suivi, non? Oui, c'est pas normal. Mais comme tu vois, Arafat aussi, il ne faut pas aussi trop le juger. C'est quand même quelqu'un. Il n'est pas aussi très, très mûr. C'est un artiste. Tout le monde fait les erreurs dans la vie. Tu vois, Bertini, il a reconnu ses erreurs. Il a voulu, croyant bien, mettre ça sous les roseaux. Et ça l'a porté préjudice, tu vois. Il n'a pas eu des gens qui devaient. Personne n'a pu le conseiller de ne pas le faire. Il ne savait pas que ça allait aller loin. Parce qu'il prenait le petit comme son propre frère. Tu vois, parce que c'est comme si moi, j'ai mon propre frère de lait. Je le parle et je n'écoute pas. Je le tape devant les réseaux. Qui va me mettre en prison? C'est comme ça que Arafat voyait les choses. Il peut bien Tu le vois, il taper, mais savait. pas le mettre dans les réseaux. Il pouvait bien le taper, mais pas mettre dans les réseaux. Mais d'après ce qu'il a dit, qu'il a dit au garçon que si tu le refais, tu es d'accord que je vais te mettre sur les réseaux Facebook, je te tape. Que le petit a dit oui, que c'est un trou verbal qu'ils ont fait. Donc, c'est ce qu'Arafat a dit dans son direct. Le petit a dit que d'accord, si tu me prends encore, tu peux me taper sur le réseau, sur le truc que le petit avait accepté. C'est pour ça qu'il l'a fait. Bon, il ne savait pas que le papa du petit allait venir aussi derrière. Parce que quand tu es stable, les gens profitent pour te soutirer de l'argent. Tu comprends? Oui, mais pour moi, il a été bête. Comme il y a quelqu'un qui dit la Tangana, où on a dit pour Arafat, moi, je pense qu'il Mais est ça, malin. c'est Nivakine. Je C'est pense qu'il a Nivakine, trouver été bête. Il Nivakine. a été C'est le bête. général. Bertini Nivakine, c'est le général de la team PDGiste. Tu connais pas Oh, Nivakine? le C'est général, lui à comment tu Tangana. vas? Ouais, Donc, les cœurs pour pour la moi, il team a été PDGiste. bête de dire, regarde, c'est lui qu'on appelle le général. Salut, Oui, le mon gars. général. Donc, pour moi, quelqu'un comme une statue ne peut pas, même s'il a signé, il a dit ça avec ce gars, il ne devait pas le faire sur le réseau, il ne devait pas être bête et le Le mettre réseau, sur le oui. réseau. C'est vrai. Donc, Oui, il tout a c'est. dem. Il a dem. Il a un dème, mais tout c'est ce qu'il met dans le réseau. Bon, il y a aussi un autre problème que j'ai vu sur la toile, c'était par rapport à la Camerounaise, l'actrice qui est morte au pays, là, elle s'appelait Stéphanie, une actrice, je le parle parce Oui, que oui, c'était oui. une actrice qui est morte. Donc, elle est J'ai vu. morte et il y a Aïcha Lakamoua qui j'ai vu son direct où elle anglais, elle disait que elle assume parce que, écoutez un peu, quand il y a les litchis, quand il y a les litchis, les gens sont pleins qu'il y a une fille qui a d'abord fait un direct pour dire que maintenant vous mettez les restes, les RIP, RIP. Quand la fille était malade, on a fait un litchi. Personne, vous n'avez pas cotisé. Maintenant, quand la personne meurt, maintenant vous venez mettre les RIP. Mais ça, pour moi, c'est l'hypocrisie. À un côté, c'est l'hypocrisie. Parce que si la personne est sur le lit de l'hôpital et on met un litchi pour cotiser, pour l'aider, et vous ne cotisez pas. Maintenant, quand la personne meurt, vous venez mettre. Moi, particulièrement, je n'ai pas vu ça, mais j'ai supporté un peu ce que la fille a dit. Mais je voulais aussi être contre ce que la femme a dit en disant que il y a les gens, je peux être à l'hôpital, tu es mon ami, tu dis que tu vas faire un litchi fundraising. Tu lances là sur les réseaux, après tu t'arrêtes. Tu vois, tu ne continues pas à bousculer dans ça. Tu vois un peu? Les gens vont oublier. Tu ne continues pas à bousculer dans ça. Les gens vont oublier. Les gens C'est vont vrai. oublier carrément et ça va finir. Mais après, on va commencer à dire qu'on avait mis un litchi, vous n'avez pas cotisé. Parce que la C'est personne vrai. qui a commencé le litchi n'a pas terminé. Il n'a pas bien fait son niche, il Il n'a n'a pas pas bien fait, fait justement, il la n'a pas pub et bien tout ça. organisé Oui, il n'a cela. pas très, sensibiliser les gens. Il n'a pas bien C'est vrai. sensibilisé les gens pour que les gens cotisent. Donc, elle a dit que, il y a des gens qui l'engueulaient que, oh, toi, Aïcha Kamouaz, tu n'es même pas, toi, une artiste, tu n'es même pas allé
la visiter à l'hôpital et tout et tout. Elle a bien dit que les artistes, les comédiens, les acteurs sont partis à l'hôpital. La maman de la fille a demandé que la fille ne veut voir personne pour le moment. Mais c'est normal. Il y a des situations Mais oui. que, il y a des situations Il faut pas. que la maman ne peut pas La demander, famille. que la famille ne peut pas Oui, il ne faut demander pas qu'on voit sa fille dans un certain état. dans Les gens certains peuvent états, faire effectivement. les photos de sa maladie, aller exposer après. Voilà, Tu vois, non? justement, c'est. C'est Moi, tout à fait normal. je pense que Aïcha avait raison. Et l'autre côté, la femme de la fille qui a mis le commentaire disant que ne mettez pas la RIP. Mais c'est pour ça, pour dire aux gens maintenant, pardon, quand quelqu'un est malade à l'hôpital, si vous pouvez donner même 2 dollars, 1 dollar, donnez, même si c'est 500 francs, ne voyez pas ce litchi ou ce fundraising. Après, quand la personne meurt, vous venez mettre RIP là. Franchement, ça, c'est la mauvaise conscience. Ça va trop vous juger. Ça va trop vous juger. Quelqu'un dit que la fille avait les deux, n'avait pas besoin de litchi. Africa campait là. Elle vivait au pays ou elle vivait en Europe? De quoi elle vivait? Même Elle si vivait elle avait de l'argent, on n'a jamais assez d'argent. Est-ce que l'argent peut soigner quelqu'un? Est-ce que l'argent peut donner la vie quand tu es peut-être en. Pour Stéphane, moi, sur ce goût, je ne peux rien dire. Je veux juste attirer l'attention des internautes. On ne peut pas aider tout le monde. RIP est un acte de compassion dont on ne peut pas tracher dessus. Non, Non, je n'ai c'est pas différent. dit que c'est mauvais de mettre RIP. C'est mauvais que tu peux aider. Tu n'aides pas, mais tu viens mettre RIP. C'est là ce que je suis en train de dire, quoi. Tu peux m'aider. Tu es peut-être en position d'aider. Peut-être tu vois le PayPal. Tu peux mettre 5 euros, 5 dollars, 500 francs, mais tu ne mets pas ton mauvais cœur, tu fais, tu ne mets pas, ou peut-être tu as oublié. Peut-être si tu as oublié, et elle meurt, tu dis que, ouais, j'avoue, j'étais vraiment maladroit, j'étais négligent. Ça aurait peut-être aidé. On ne sait jamais. Ça peut aider. Ça Non, peut aider, on ne sait. Bertrand, je te coupe pas. Le RIP, là, deux fois, c'est. Tu sais que ce n'est pas tout le monde, peut-être, qui était au courant de sa maladie. Tu vois, par exemple, tu as un ami qui est là. Moi, par exemple, si j'ai un ami qui est là, qui était malade. Après, quand la personne meurt, je viens poster. Je dis aux gens, aidez-moi parce que j'ai supporté. Aidez-moi à présenter tu vois, les RIP à mon ami parce qu'il est décédé. Les gens vont venir avec un RIP. Comme Nivakine dit, c'est juste la compassion, le support Non, c'est pour dire bien que la de personne mettre n'est pas. RIP. Non, Oui, ça c'est bien. Mais je oui. veux dire la conscience pour ceux qui viennent, ceux qui mettent, sachant qu'ils pouvaient aider. C'est ce que je veux dire. Tu vois un peu. Je sais que tu n'es pas obligé d'aider, mais tu vas aider. Tu vois, il faut aider. C'est la conscience, c'est notre conscience qui juge, quoi. Bon, Karam, Tommy, si tu es là. Pas, si je te peux. Tu connais Tommy, non? Geneva, on va passer par autre Je vais chose. te laisser. Mais il me semble que la reine mère, la team PDG, c'est en ligne de nous. On va courir vers là-bas, Bertini. Je Non, il n'y vois a que pas de j'en remets en problème. commun. Pardon, restez parce qu'il y a Tommy qui est là. Tommy, tu connais Tommy Karamba, non? Oui. L'acteur du Brésil, là, il a un truc à informer aux gens là, par rapport à ceux qui veulent être dans le acting, qui veulent faire la comédie et tout ça. Là. Tu sais, il est en train de faire une formation. Ne parle pas. Je juste veux l'appeler là, qu'il vienne dire. Il a un truc qu'il est en train de faire à Washington, là. Il a une conférence qu'il fait à Washington et il veut inviter les acteurs de Washington. Pardon, ne parle pas, ne Ah, passe ok. pas. Suivez un Tu peu le ça. prends en direct ou bien tu fais que tu l'appelles direct Je au l'appelle téléphone. en direct. Je l'appelle quand je te découvre, je l'appelle. Tu sais que tu es mon co, c'est tous les jeudis et ça et dimanche. Donc, il faut être là. Ah bon, Oui, news behind news. hein? On parle de tout un peu. On va quoi. Ça serait tous les jeudis et dimanche. Donc, j'ai peut-être dit, je dois aller au travail à midi. Donc, j'ai encore Mais peut-être fais 30. vite parce que tu vois que les chiffres descendent. Les gens sont allés chez la reine mère. Tu as vu que les chiffres sont en train de descendre, le nombre de Oui, visites. parce que Tu sais que la reine mère. lui, je vais faire. Après lui, je ne parle plus. Les gens peuvent partir, il n'y a pas Oui. de problème. Parce que ces gens-là même, c'est les gens. Ça concerne même plus les gens des États-Unis, quoi. Nivakine, tu veux quoi? Nivakine dit qu'il veut quelque chose. Nivakine, tu veux la marque de Bertini? Tu vas l'acheter. Faut commander avec la reine mère. La reine mère vient à elle, non? Commande avec Oui, elle, qu'elle oui, 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 t'apporte. oui. Les gens peuvent, ceux qui sont vraiment tatates avec la reine, mais là, vous pouvez passer par Mais, elle. Ou bien tatates oui. avec le président, vous pouvez passer par elle. Et Voilà. voilà, justement. Mais ne la chargez pas trop quand même, parce que c'est quand même la reine mère. Donc, Mais donc, les gens, si vous comment êtes ils donnent mal. l'argent, ils payent les poids, c'est tout. Ouais, en tout cas. Parce que si c'est même beaucoup, je peux faire une valise qui va en Europe, quoi. Oui, tu mets le poids aussi sur Voilà, le prix. justement, commandez, vous pouvez commander sur le website.
Commandez même, vous pouvez même passer par Geneva, vous commandez, c'est l'une de mes tatat. Et vous pouvez commander et on va gérer avec ça. Mais la reine m'a dit que toi-même, tu seras ici, là, à Geneva. Ben, sinon, on se parle au téléphone comme ça. Oh, ok. Bye bye. Ok, là, je te laisse. Ouais, il faut. Ton général, le général là, il faut que tu m'envoies. Comme tu es le général, envoie-moi ta pointure à inbox à Geneva. Comme ça, il va t'envoyer un truc là. Parce que quand tu es la reine mère, il est à Paris avec la reine mère. Il se parle au téléphone. Passe par la reine mère, Nivaki. Elle est directement. Ok. Ok, Dada Soleil, contacte la reine mère. Écrit. Faites le commun avec Betty, tous les gens qui sont en Europe. La reine mère pourra aussi amener. Vous allez maintenant prendre ça chez Yvette Gomadi que vous prenez avec la reine mère. Salut Maggie, la coiffeuse. Salut, comment tu vas? Je sais que toi et moi, là, on a un contentieux. Mais c'est bon. On va parler de ça. Oui. Inbox. Commandez depuis maintenant parce que c'est pas des choses de la dernière. Je vais envoyer ça par la reine mère. Bertini, quelqu'un te dit de le contacter après le direct inbox. Isola, je sais pas. Oh, Dada Soleil, tu es aux États-Unis, ok. Toi, tu peux commander chez nous. Oui, on va causer. Oui. Il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Souliatou, Ishola, envoie-moi un inbox, quoi. Ouais, un message inbox. Ouais. Ok, je prends Tommy. M'en veux. On a ensemble, le prix de ce que Bertini a soulu, on ne parle pas les prix sur les directs, il faut aller inbox. Le roi, tu sais pas. On ne parle pas les prix sur les trucs, il faut aller inbox. Allez inbox. Ou bien vous allez sur la collection Bertini.com, la collection www.bertini.com, il y a les prix là-bas aussi. Voilà. Ton grand ne vient pas Bertini, moi je vais quitter, je dois aller travailler. Il est là, c'est toi que j'attends pour partir. Ah, ok, tu veux que je quitte, non? Oui, quitte, déjà. Ok, je quitte. On se voit, hasta la vista. Tommy, tu es où? Tommy, envoie-moi la demande. Oui, il n'y a pas les assurances en Afrique. Ouais, justement, il n'y a pas les assurances en Afrique, Iberich, parce que elle est morte comme ça. Donc, ce qui fait que quand vous faites des litchis, essayez de pousculer dans ça. Moi, je ne supporte tous ceux qui ne sont pas, sont faits eux-mêmes partie de 0 à 0. Moi, je supporte tous ceux qui se sont faits eux-mêmes partie de 0 à 0, n'est pas donné. Merci, mon gars, merci. Comme nous, on est parti de 0. Je te dis que moi, j'ai vendu les chingoms, j'ai escaladé les. Tommy, envoie une demande là. J'ai escaladé le stade de Munispor pour aller vendre les chingoms. Dans l'époque, les chingoms étaient 2 à 25. Même en classe, hein. Même en classe, je peux te dire que même en classe, les farines Nido là, on a tout ça. Pendant les examens, quelqu'un a fini son examen, il est là, il se débrouille. Tous les gars qui finissaient les premiers là, quand on ne voulait même pas qu'on les triche. Quand tu veux les tricher, ils veulent montrer qu'ils connaissent beaucoup. Et il finit, papa, il dit, Bertini, je veux la farine. Mais je veux le premier modèle, Bertini, que la reine mère avait porté ensemble, jogging noir ou bleu. Oui, il y en a. Fais-moi une capture d'écran, tu m'envoies quoi? Tommy, envoie-moi une demande. Tommy, envoie-moi une demande. What's up, bro? What's going on with you? Pierre Bosco, the DJ. DJ Bosco, comment tu vas? Donc, c'était vraiment, on a vraiment tout couvert. Et puis aussi, il y avait. Send it again, ok. Je crois qu'on a aussi couvert. Il y avait aussi un truc par rapport à. J'ai vu aussi chez l'autre. Chez Serge Anango. Il y avait un direct qui parlait, qui comparait. Il était en train de comparer Flore et Nathalie Nkoa. Je l'ai envoyé. Je voulais lui dire que Flore, Serge, tu es mon ami, mais. C'est un des trucs qu'on peut comparer, des trucs qu'on ne peut pas comparer. C'est même pas un truc à comparer. Et bizarrement, j'ai suivi tout le direct, il y avait des gens qui disaient la vérité, qui disaient vraiment ce qui était pertinent. Ils disaient vraiment que, il y en a certains qui disaient que, je ne sais pas si j'ai suivi quelqu'un qui était pour
Natarine quoi, mais tout le monde était pour Fleur de Lille par rapport à ce qu'elle fait et ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle a fait. Donc, elle a supporté les femmes, elle supporte les femmes en détresse, elle supporte ceci, elle supporte cela. Je ne connais pas épingler mon website, c'est un truc que je ne connais pas, que je ne sais pas encore manipuler l'affaire ici. Tony, je suis en train de dire, sors, tu reviens, tu m'as, sors du direct, tu reviens. Donc, je ne sais pas, j'ai vu le direct. Je n'ai pas vu certains gens qui étaient pour Nathalie Kouad. Je voyais les gens qui étaient toujours pour Flo par rapport à ce qui. Et c'est des faits tactiles, c'est des faits qu'on voit, nous tous on est en train de voir ce qu'elle fait. Donc ce n'était même pas un truc à comparer Nathalie Kouad et Flo. On pouvait encore comparer Flo avec par exemple qui? Mais un peu même seulement avec Clarisse Kanwa. Qui même encore? On pouvait comparer, en tout cas, on ne pouvait pas les comparer les deux. C'était pas à comparer. Parce que c'est une fille qui a le cœur, c'est une fille qui. Nathalie, bon, des moments, on se voit ici à Radio Drive. Bon, on se voit, on se fait comme si on ne se connaît même pas. On ne veut même pas se connaître. Quand elle vient souvent ici à LA, quitte ton website. Je ne connais pas écrire mon website sur. Flo est une blogueuse et NK Hit Girl, ce n'est pas du tout comparable. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Et même blogueuse là, même blogueuse, je n'appelle même pas Flo une blogueuse. Vous m'appelez, il y a des gens qu'on appelle les blogueuses. Flo n'est pas une blogueuse. Enlevez ça. Flo n'est pas une blogueuse. Moi, j'aime beaucoup Flo. Flo n'est pas une blogueuse. Flo, c'est une star. Les blogueuses, je vais vous dire qui sont les blogueuses. Les blogueuses, c'est qui? Les blogueuses, c'est tous les abeilles là. C'est eux qu'on appelle les blogueuses. Les blogueuses, c'est ceux qui vont chercher les informations et venir les arranger et les mettre. Flo n'est pas une blogueuse. Nathalie n'est pas une blogueuse. Flo n'est pas une blogueuse. Non, Mami Wata, ce n'est pas ça, c'est www.bertinicollection.com. Bertini Collection. Merci pour. On ne compare pas l'incomparable. Donc, ce n'est pas une blogueuse. Flo est une star. Ce n'est pas une. Les blogueuses, c'est les abeilles. Les blogueuses, c'est Claude Akam. C'est les blogueurs, c'est Congo Sa VIP. Les blogueurs, c'est Valérie Atia. Les blogueurs, les gens qui vont, par exemple, si moi j'ai tous les blogueurs, c'est Panthère Dundé, c'est Stambaka, tout ça là, les abeilles là, qui font la publicité de Flo et qui font ma publicité. C'est ça qu'on appelle les blogueurs. Oh, Tima, c'est comment, Tima Zara, comment tu vas? Merci, merci. Tu n'as pas encore la collection d'été, chérie. Donc, merci, merci pour tout ton support aussi. Ça, c'est ça, les blogueuses. Donc, Flore n'est pas une blogueuse. Arrêtez de dire que Flore, c'est une blogueuse. Blogueuse, il y a des mecs aussi, ils vont réaliser les infos pour les divulguer. Oui. Comment on scène ça, non? Flore n'est pas une blogueuse. Donc, arrêtez de dire que c'est une blogueuse, c'est une star. Les blogueurs, c'est ceux qui prennent les informations, ils mélangent. Ils mélangent. Je ne sais même pas comment. Arrêtez de dire que c'est une blogueuse, c'est une star. Les blogueurs, c'est ceux qui prennent les informations, ils mélangent. Vous voyez, non? Flo n'est pas. Je ne sais pas comment écrire ça. Je vais écrire ça sur mon téléphone. Je ne sais pas si ça va venir. Tommy, écris alors ça pour moi. Tu ne sais pas, Tommy. Écris ça pour moi. Ne sais pas comment écrire. Tommy, écris. OK, good. www.bertinicollection.com, c'est ça. Ouais, Tommy, merci. C'est ça, ouais. Merci, Tommy. Donc, les blogueuses, c'est. Flo n'est pas une blogueuse, c'est une star que les gens admirent. Les blogueurs, c'est ceux qui prennent les informations, ils arrangent, ils mettent ça de leur manière, ou bien ils fabriquent des histoires pour mettre. C'est ça les blogueuses.
Trop bas, c'est comme. Je dis, Karamba est où? Tommy est où, non? Tommy, envoie alors le truc. Ouais. Donc, j'ai encore 10 minutes là. Trop bas, c'est comment tu vas? Je t'appelle même seulement pour 5 minutes, quoi. Ah, je n'ai pas le temps là. Tommy, je t'appelle là depuis, tu ne viens pas. Moi, j'ai encore 5 minutes. Tu es ici aux États-Unis, on va au travail. Yeah. Donc, c'est ça que je voulais dire. S'il y a des questions, ok. Tony, là. S'il y a des questions, vous posez. Donc, your phone don't begin. I did call you all this time. Anytime I see you, say, wait, don't send message. I call you. But she is still adding. It's adding you, but I don't see you. C'est le Brésilien que j'attends là depuis. C'est le Brésilien que j'attends là. Donc, vous allez sur la page Bertini Collection, vous essayez. Surtout, allez aimer la page Supermodel Bertini Collection. Et, pardon, et à inviter les amis à aimer la page. Moi, quelqu'un m'a dit de faire les directs dans cette page-là. Mais moi, je trouve quand il fait les directs dans cette page-là, c'est un genre là. Ça ne me donne pas beaucoup. Mais je vais faire le direct là-bas et puis je partage ici. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous pensez? To me, I don't call you. I don't call you tired, oh boy. I don't call you tired. Donc, Tommy est en train de. Tommy, c'est un acteur. Tommy, c'est un award winner du Brésil. C'est un Brésilien, un acteur brésilien, un Camerounais qui vit au Brésil. Il a gagné les awards au Brésil. Et il est aux États-Unis, il est allé à la New York Film Academy. Et il a fini là-bas, Actor Studio. Et il veut former certains gens qui veulent aller dans cette filière-là. Ça serait gratuit, ça serait à Washington. Donc, pour vous ceux qui veulent entrer dans cette filière de acting, donc restez à l'écoute, allez contacter Tommy, allez dans sa page Tommy Germain et Tommy, et vous allez voir le flyer. Mais j'aurais aimé qu'il vienne de même parler ici, quoi. Drusilla Brading, Drusilla. Vraiment, voilà les gens qui ont vu ma galère. J'ai dit ça ici, oh, ah. Drusilla, c'est comment? C'est le bahat de quoi, non, ma soeur? Le bahat de quoi, non? Je te dis ça, oh, ah, parce que c'est le bahat. Tu pars, tu voyages partout, tu ne viens même pas faire un coucou à ton frère. Ça, c'est terrible. Michel Labelle, comment tu vas, Michel? Comment tu vas? Michel, ça c'est le nom de ma petite soeur, mais ça a 2 LE. Pour toi, un LE. Ah, les séries brésiliennes. Tommy lui parle, il parle le brésilien. Il a fait une série au Brésil hein, aussi. Hein. Il parle bien le brésilien. Est-ce qu'il y a autre question avant que je ne bouge? On a tout parlé. Et puis bon, en politique, on avait aussi un truc que je voulais aussi signaler, que je n'ai pas signalé. En politique, on parlait de. J'ai vu, il y avait aussi tiraillement entre Eto'o qui devait partir à Nosso, je préfère le mot là, nord-ouest, south-ouest. Je préfère ça au lieu de dire anglophone. Ça ne sonne pas bien quand on dit anglophone. Ça ne sonne pas bien quand on dit francophone. Donc, il est parti à Nosso, nord-ouest, south-ouest, pour. Il devait partir. Donc, certaines personnes ont dit que ce n'est pas bien. Partir là-bas, ça va lui coûter et tout, et tout, et tout. Et moi, je suis allé dans le direct de Marx. Moi, j'étais contre Marx. Parce que quand Marx disait que non, pourquoi Eto'o va ceci, ceci, cela, cela, cela. Non.
pourquoi Eto va partir, pourquoi Eto, je voulais dire que Marx, quand même, ce n'est pas bien, parce que c'est ce que les gars du Nosso sont en train de vouloir, que Eto vienne, que les stars parlent de cela. Alors, mais Marx a fermé ma bouche en me montrant une vidéo où Eto était assis avec le gouvernement, on était en train de le former, comment faire pour partir là-bas. C'est là où moi j'ai dit que donc ça là, c'est sans commentaire parce que ça va encore empirer la situation s'il faut passer par le gouvernement. Il serait parti là lui-même de sa propre volonté parce que maintenant, là, moi, si je me, quand j'envoie l'argent pour aider fundraising, pour aider ces gens-là, c'est ma volonté. Je n'ai pas besoin d'attendre à quelqu'un pour qu'il me dise de partir là-bas. Pour moi, Eto aurait pu partir au début quand ça chauffait encore, quand les gars-là se plaignaient et quand le Nosso se disait que, ouais, où sont les stars? Pourquoi les stars ne parlent pas de cela? Mais c'est de parler, moi, j'ai parlé de ça. Beaucoup d'autres gens ont parlé de cela, mais on ne peut rien faire. Ce n'est que parler. C'est tout. On peut seulement parler, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas analyser, on ne sait pas ce qui se passe à Nosso. Donc, c'est ça justement. Et puis, j'ai aussi suivi un truc qu'on appelait Watanawata, qui est sur les vues. C'est news behind news. Watanawata, moi, j'ai traduit ça avec Watanawata, ça veut dire que l'eau, c'est l'eau. En quelque sorte, en francophone, en français, c'est pour dire que mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Watana wata, ça veut dire que mouiller, c'est mouiller. Donc, pour dire que c'est parti. Mais pour moi, je pense que toujours le dialogue est bien. Toujours, je pense que si on se met ensemble, on fasse un dialogue parce que le Cameroun, là, avant 1961, c'était un Cameroun, avant que ça s'est divisé et ça s'est encore mis ensemble. Donc, il y avait toujours un Cameroun, ça s'est divisé, ça s'est mis ensemble et on n'est pas obligé de le diviser encore. On peut encore continuer comme on était. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a dit que c'est Clarisse Kanwa. Oui, Clarisse Kanwa qui a dit, moi c'est News Beyond News, hein, je ne dis que les choses que je suis et puis je vous relate. Clarisse Kanwa a fait une direct où elle disait que, oh maintenant, c'est le problème du Nosso. Qu'est-ce qu'on fait des problèmes bantoufones? Qu'est-ce qu'on en fait des problèmes des autres? Qu'est-ce qu'on en fera des problèmes tout le monde a les problèmes. Et puis j'ai aussi vu quelqu'un qui a dit que est-ce que les voilà maintenant elle m'appelle. Tu m'appelles quand j'ai mon direct. Il y a quelqu'un aussi qui a dit que est-ce que les Nosso c'est les pygmées? On ne dit pas ça, on ne dit pas que c'est pas les pygmées. Les pygmées aussi peuvent se plaindre, dire qu'on est venu envahir leur place. Les pygmées peuvent aussi se plaindre. Non, ne dites pas qu'on est en train de faire comme si c'est les pygmées. Ce n'est pas les pygmées. N'utilisez pas les mots pour dire ça. Les pygmées aussi, c'est les gens. Quand vous dites ça, c'est les pygmées pour se lever aussi, disent que vous avez envahi notre pays. Parce qu'avant, c'était les pygmées. Les pygmées sont en brousse là-bas. Ils vivent de la chasse et la cueillette. Ils peuvent bien dire que vous venez prendre leurs animaux et tout, ils se plaignent. Il a tout à gagner dans cette cancan. Vu les choses, le Cameroun est parti pour perdre le camp au bénéfice du Maroc. En tout cas, Peggy, c'est comment tu vas? Comment va le Gabon? Salut toute ma famille là-bas au Gabon. Salut tous mes grands frères, tous mes grandes soeurs qui sont au Gabon. Et puis, on a aussi vu en politique, il y avait aussi Donald Trump qui est allé en Chine, là, en Corée du Nord. Donc, Donald Trump, il est terrible. Il nous a aidés quand même pour. Il n'y aura plus de nucléaire. Donc, il a annulé. Et puis, mais il est bizarre parce que quand vous allez à Twitter, vous voyez comment il bombarde Kim Jong. Mais en direct, il ne bombarde pas. Ça, c'est la politique. Je ne sais pas ce que la politique a fait pour ça. Donc, et puis, j'ai aussi vu dans un direct où. Non, je ne vais pas parler de ça parce que je ne suis pas dans ça. Donc, c'est tout ce que je voulais. Ça va, grand Peggy. C'est comment tu vas, comment les business. Tommy, moi, je vais partir là. Hein. Donc, si tu n'es pas là, ça va partir. Donc, les gars, je vous invite à aimer la page Supermodèle Bertini. Vous étiez nombreux à me suivre aujourd'hui. C'est le haut là. Oui, ça c'est la collection de culottes. Peggy, faut y a Peggy, fais ta commande. Hein. Ça c'est la culotte. C'est là.
la culotte d'été. Et ça, c'est le haut. Ah, c'est le haut. Comment vous avez aimé ma coiffure, ma nouvelle coiffure? Tu vois, il faut toujours faire le look, quoi. Il faut toujours sortir. Il faut toujours sortir de il faut toujours faire des trucs originaux. Pour pas. Faut faire. Ça montre à quel niveau il y a une créativité, quoi. Hmm? Donc, voilà la preuve que pour te faire respecter, il faut avoir l'arme nucléaire. Bien sûr, ils ont montré ça. Et c'est pour ça qu'ils contrôlaient le monde. Mais ça va maintenant. Et moi, Kim Jong, c'est quelqu'un qui est bien. Ses parents n'étaient pas les bonnes personnes. Ses parents étaient des méchants. Barbara, comment tu vas, Middleton, la duchesse de New York? Vraiment, c'est maintenant que tu arrives, chérie. Hmm? Tu te prends pour 5 minutes, pardon, chérie. Barbara, c'est l'une de mes stars. Celle qui me supporte aussi trop. Trop. Oh. Comment tu vas, ma puce? Ça va et toi? Tranquille. C'est quoi? Tu as aussi faux profil, tu te caches. Toi qui es belle comme quoi là, jusqu'à le feu sort là. Ah non, je vais pas faire. Je sais pas comment vous voyez là. Ah, vraiment, de Dieu. Toi qui es belle jusqu'à le feu sort là. Peggy sort de ce direct là pour que Barbara vienne. Hmm? Alors, je viens d'arriver là, donc je vais juste rentrer sur ton direct là. Ok. Qu'est-ce que tu as à nous dire là? Tu as pris, Barbara, c'est une fille qui a pris toutes mes collections, je vous assure. C'est une fille tellement, quand on parle de milliardaires, voilà les milliardaires. C'est les gens que quand la collection sort seulement, j'envoie sans même demander quand elle va envoyer l'argent, quoi. Et elle paye, même si ça ne la plaît pas, elle a toujours quelqu'un à qui elle va donner. Bah oui, justement, c'est vrai, en plus et tout. Bon, mais tout ce que je dis et tout ça, bon, mais de toute façon, ta nouvelle collection que tu portes là, tu devrais me l'envoyer parce que je vais au Cameroun, là. La culotte, n'est-ce pas? Pour mes neveux et tout ça, quoi. Ouais, attends, dites à Verlaine de ne pas m'appeler, elle m'appelle sur mon direct, elle ne me voit pas en direct, elle veut gâter mon direct. Dites à Verlaine de ne pas m'appeler, bipez là, vous lui dites de ne pas m'appeler, continue maman. Voilà, donc tu m'envoies toute cette collection là, pour mes gens au Cameroun, parce que okay. Je vais au Cameroun, et pour monsieur d'ailleurs. Hein? Ouais. Tu vois que le monsieur quand il va arriver au Cameroun, tu sais quand il va au Cameroun, je mets les trucs américains. Tu veux que voilà, quand tu mets le truc avec la casquette, tu t'assures, tu vois, non? Quand je vais au Cameroun, tu ne peux pas mettre Camerounais. Tu peux être américain. Il faut représenter, quoi. Quand les Benguis arrivent au Cameroun, là, ils sortent avec les trucs du Bengla. Donc, quand tu viens quand même des États-Unis, tu représentes, quoi. Tu sors un truc que... Vraiment, cette nouvelle collection d'été, là, j'adore. J'adore beaucoup, hein. Elle est super, merci. Ok? Voilà, elle est super. Je n'ai pas encore vu ta la robe de sport, là, chérie. Pardon, poste ça, parce que les gens, tu as tout ce qu'il faut pour relancer ma okay, collection. Je vais le faire très, très bientôt. Tu sais, bon, avec mes occupations et tout, je n'ai pas le temps. Ouais, les enfants, l'école et tout. Comment va l'école, là? Comme tu vas encore à l'école, là? Moi, les vacances, là, très, très bientôt, en fait, hein? Bon, Barbara est à New York College. Vous savez que l'école. Barbara a deux enfants. Elle va encore à l'école. Malgré tout son. Elle va à l'école et c'est très bien. Moi, je t'encourage, chérie. Continue ça. C'est bien. Ah ben, bien. C'est normal. Et tout ça, quoi. Bon, voilà. On va pas parler de notre vie privée. Voilà. Ah, bon, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour monsieur, cette tenue donc tu portes là, peut-être pas en rouge, je ne sais pas si tu fais du noir. Non, il y a en noir et en blanc. Voilà, tu fais ça en noir et tout. Pour le Cameroun et tout, bon, mais tu me feras cette couleur donc tu portes là. Voilà, tu me fais tout ça, tous ces paquets-là. Tu sais que mes gens au Cameroun ont... Les gars du Cameroun me supportent beaucoup, c'est bien. La morphologie et tout ça, quoi. Ouais. Voilà, et tu me fais tout ça avant mon départ au Cameroun. On se connaît, ça fait combien de temps, Barbara? Oh, mais depuis 2002. Ouais.
2002. Ah. Tu m'as vu grandir dans ça, non? Ah oui, absolument. Voilà. Absolument. Bon, ben, merci, de toute façon, merci. Comme je vous dis, ma petite princesse et tout, et puis le garçon et tout, j'ai vu ses enfants là grandir et tout ça. Hein. Ça, c'est ils un sont papa. Grands, il n'y a pas que les femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Ça, toi, tu es un papa qui a élevé tes enfants seuls et tout ça, quoi. Qui sont ah, grands merci. Maintenant et tout ça, quoi. Hein. Voilà. Hein. Donc, faut pas que les gens se disent, ouais, blablabla, blablabla. Il y a les hommes. Hein. Et le problème, c'est que les gens ne te connaissent pas. Les gens commencent à te connaître hein, parce que tu n'es pas une petite personne. Déjà, premièrement, tu es mannequin. Hein. Mannequin. Hein. Un mannequin pro et tout ça, professionnel. Tu as tourné des films et tout ça. Hein. Donc, bon, ben, il ne faut pas confondre les choses. Hein, et tout ça, quoi. Je vois bien tout le monde qui vient là, mais il faut être très. Il faut respecter. Hein. Parce que oh, oh en, attends, je te coupe. En parlant de film, mon film a été déjà téléchargé. Ça va passer par Netflix bientôt. Voilà. Et tu étais le premier Camerounais qui a fait avec Tara Banks. Je sais pas, il faut parfois. American Next Top Model, ouais. Ils aillent sur Google, comprendre qui tu es exactement. Hein. Effectivement. Hein. Ils aillent sur Google. Hein. Tu es le premier Camerounais hein, qui a tourné avec Tara Banks. Hein. Ouais. Voilà, et tout, l'américaine. Voilà, le top modèle et tout, tout ça. Donc, ben, que les gens arrêtent un peu. C'est vrai, je vois un peu d'une tout et de n'importe quoi sur qui ne te connaissent pas. Bah, mais, tu es devenu calme, bah, peut-être avec l'âge aussi. Ah, et bon, mais qu'ils comprennent que tu es quelqu'un de très important. Si c'est pas parce que le problème, c'est que tu es rentré dans le milieu africain. Parce qu'avant, tu n'étais pas dans le milieu africain. Camerounais, entre guillemets. Hein. Tu as toujours été dans ton milieu hein, américain et blanc et tout ça, quoi. Hein. Parce qu'on te connaît très bien. Hein. Mm. Ben, c'est dommage que les Africains, les Camerounais et tout ça, c'est vrai, ben, ils sont ce qu'ils sont. Hein. Ben, il faut respecter et essayer bon, ben, d'apprécier quand un frère, hein, quand un frère Camerounais, tu n'as jamais régné, tu es américain camerounais. Hein. Faut jamais régner, bon ben voilà, bon ben je suis camerounais et tout ça américain. Bon ben voilà, j'ai envie de faire quelque chose, de revenir hein, dans mes sources et tout. Malheureusement, les Camerounais, je suis désolée pour vous. Bon ben je vais être un peu dure et tout, tout ça. Franchement, bon ben arrêtez vos jalousies, ça ne sert à rien. Vous êtes là sur les réseaux sociaux, le virtuel, ça ne vous amènera nulle part. Nulle part. Appréciez quand votre frère essaye de faire, ou votre soeur essaye de faire quelque chose de bien, et tout ça, appréciez, et tout ça. On ne veut pas juste entendre, ok, bon, ben, putain, fait ci, piment a fait ça. Appréciez, appréciez quand votre frère essaye de faire quelque chose de bien, hein. Je ne comprends pas ce que les Camerounais font. C'est quoi cette jalousie? C'est quoi cette haine? Ça sort d'où, ça? Ça sort nulle part. Je ne comprends pas. Appréciez. Voilà, votre frère Bertini et tout ça, qui est un super brand et tout, tout ça. Mais ben, je ne vois pas grand monde. Je ne vois pas grand monde. C'est que de la jalousie. De la jalousie, jalousie, jalousie. Hein. De la haine. Pourquoi? Et vous ne connaissez pas le personnage. C'est quelqu'un qui est très bien. Qui est très bien. Il ne se prend pas la tête. Malgré bon, ben, son passé et tout, tout ça, ce qu'il était avant. Mais là, c'est quelqu'un qui est humble. Tranquille. Et tout ça, quoi. Et qui est très accueillant. Hein. Très, très accueillant. Connaissez-le et vous allez adorer. Vous allez adorer. Regardez un brand comme celui, ce qu'il fait là.
Ça, où est la différence entre mettre Calvin Klein ou Gucci ou quoi que ce soit? Je ne vois pas la différence. Hein. Je ne vois pas la différence entre et tout ça. Quoi, hein. Et wow. C'est un modèle qui est fait aux États-Unis. Ce n'est pas la chinoiserie. Hein. Appréciez-vous les Camerounais, là. Hein. Je suis Camerounaise, j'adore mon pays. Hein. J'adore mon pays. Hein. Voilà un mec qui est humble et tout ça, mais qui est simple et tout. Pourquoi vous ne pouvez pas? C'est quoi? Hein? Appréciez, ben, que ce soit lui ou les autres et tout ça. Hein? Moi, mais qui essaie de faire des choses bien sur, en tant qu'Africain, mettre des marques et tout ça, et tout ça, brand, hein, et tout ça. Pourquoi vous ne pouvez pas? Hein? Pourquoi vous ne pouvez pas apprécier? Pourquoi vous ne pouvez pas? Hein? Faites-le! Faites-le! Hein? Ça, ah. C'est quelqu'un que je connais et tout ça, qui est un frère. Un frère. Je n'appelle plus ça ami, c'est frère. Hein? Depuis des années. Hein? Ah, merci, Barbara. Merci regarde ce beaucoup. Que tu portes. Regarde ce que tu portes. Comment c'est beau. Regarde ce que tu portes là. Parce que déjà toi-même, tu sais te mettre en valeur parce que c'est ton domaine. C'est ton domaine en tant que mannequin professionnel. Hein. Allez sur Google, vous allez voir qui est Bethany Hamini, OK? Et il accepte le mannequin soit faux profil ou je ne sais pas quoi là. Hein. T'as tout dit. Voilà. Barbara m'a toujours supporté même dans ma fondation et tout, M. bien tu me supportes. Ta fondation et tout, je vais parler de ta fondation. Tu sais que je suis mariée à un banquier. Hein? Tu es le seul qui le connaît. Hein? Et pas n'importe quoi, les banques, machin, tu sais. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que bon, ben, c'est quelqu'un qui doit être protégé et tout ça. Hein? Tu sais, hein? Ce qu'on a eu à tu sais ce qu'on doit la banque doit sponsoriser. Bon, ben, ta fondation, tu sais ça. Hein? Et pourquoi c'était pris toi? Hein? Tu as aimé la dernière fois, bon, là, tu vois la fondation des sous-muets que j'ai au Cameroun, donc, que j'organise chaque fois dans la banque. Le mari Barbara m'a vu comme un frère. Bon, elle a parlé à son mari pour dire que, mais tiens, mon frère, lui, là, il organise Mister Africa USA chaque année pour aider les sous-muets au Cameroun. Donc, comment est-ce qu'on peut l'aider et tout et tout et tout? Tu vois un peu, c'est ce que j'attends. Parce que quand quelque chose est bien, quand il n'y a pas de conneries derrière, on essaie de voir comment on peut faire quoi. Tu vois, Barbara, bon, son mari lui a dit, il n'y a pas de problème, envoie les papiers et tout et tout et tout. Je ne sais pas si on va faire Mister Africa cette année, parce que je suis maintenant à Los Angeles et. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai toujours les sacs que j'ai collectés l'année passée pour les sous-muets du Cameroun. Oui. J'ai aujourd'hui au moins 150 sacs que je pense envoyer. Je suis allé la dernière fois, j'ai donné les sacs aux sous-muets de la Tanzanie. Tu vois, la Tanzanie m'a invité pour venir organiser. Je suis allé donner les sacs à l'école des sous-muets de la Tanzanie parce qu'ils ont vu m'ont donné la valeur, quoi. Ouais, ce qui tue notre pays, c'est que on ne valorise pas tout ce qu'on a. On ne donne pas la valeur. Il y a toujours certaines personnes qui veulent dévaloriser ce qu'on a. Tu vois, les gens viennent me dire que pourquoi je mets la musique tanzanienne. Quand les gens dans ma voiture, je mets la musique tanzanienne. J'ai dit, mais tiens, c'est une partie des gens qui m'ont vraiment mis, qui m'ont mis, qui m'ont valorisé. Donc, je vais quand même aider. Je vais aussi voir. Ils m'ont demandé, ils m'ont donné leur livre là. Ils m'ont dit, est-ce que tu pourras valoriser notre pays quand tu es là aux États-Unis? Et je le fais. C'est pour ça que je mets souvent la musique tanzanienne. Je mets la culture tanzanienne. Dernièrement, je suis allé dans une fête africaine. Je me suis habillé en tanzanien pour valoriser un peu seulement, mais. Quand cela ne tient, je suis Camerounais, je valorise ma culture. Quand si je valorise Tanzanien 20%, je vais valoriser Camerounais 80%. C'est normal, c'est là où je suis né, c'est là où mon nombril est. Donc, ma fondation, c'est un truc que je ne parle pas trop.
C'est vrai, je ne parle pas si j'ai trop de choses à faire. Donc, c'est pour ça que ça, c'est là. Mais j'utilise mon propre argent pour aider ces sourds-muets au Cameroun. Les sourds-muets, c'est les handicaps qu'on n'en parle pas. On parle toujours des orphelins, on parle toujours des clochards, on parle toujours de ceci, de cela. Mais on oublie les sourds-muets. Imagine, les Ah ouais. sourds-muets, c'est. Effectivement, c'est justement pour ça. Bon, mais quand mon mari, hein, bon, mais dans la banque et tout ça, tu connais la banque, je ne donnerai pas le nom et tu ne donneras pas, parce que bon, mais c'est la première banque mondiale ici, et tout ça, que ce soit n'importe où, tu ne donneras jamais et tout ça, les gens qui viendront savoir qui c'est et tout ça. Non, tu comprends? Donc, c'est pour cela que j'ai dit, hein, pourquoi ils ont, tu sais, tu as discuté, ton avocate a discuté avec mon mari, pourquoi? Parce que c'est lui qui devait mettre le projet à la banque, tu comprends? Pour sponsoriser. Et tu sais ce qu'ils ont demandé, hein? Tu Mon sais ce avocat qu'ils est ont passé par là, demandé ouais. depuis, hein? Voilà, hein? Tu sais ce qu'ils ont demandé parce que ça, c'est une banque qui sponsorise, hein? Et puis ce qu'ils ont demandé, ce n'était même pas trop de choses, tu vois. Non, c'était bien, mais tu vois, on comprend tout qu'on va parler de ça. On parlera de On ça parlera de ça. Ce n'est pas un truc qu'on va mettre sur les après. réseaux, quoi. Voilà. On parlera de ça. Voilà, je Tout ne ce suis qui est pas bien, une surtout possible personne, d'être parce que quand je valorisé. vois un ami et tout ça, je pourrais bien faire ça. Hein. C'est vrai, je suis une personne et tout qui est très calme, très simple, tu me connais et tout ça. Hein. C'est Non, vrai, c'est toi il y la a beaucoup de simplicité, c'est toi la caricatures. On ne simplicité, viendra pardon. pas se mettre là pour dire. Mais tiens, ouais, je suis allée là-bas, je vais prendre, je vais faire des directs. Non, absolument pas. Hein. Je ne ferai pas ça, jamais de la vie. Hein. Parce que quand je me mets, quand tu connais, quand je dis, ok, bon, mais je m'occupe de ça, ce n'est même pas la première, parce qu'on en a beaucoup. Hein. Donc, on sponsorise et tout ça, mais en privé. Hein. Malheureusement, je trouve que. C'est devenu comme un truc d'escroquerie sur le Facebook où n'importe qui vient se mettre là et tout ça. Je suis au Cameroun tout le temps. Hein. Vous voyez, Je suis au Cameroun. c'est. Et finalement, ça gâte même. Finalement, c'est pour ça que moi, je ne fais pas trop la pub dans cette affaire-là. Je préfère le Parce que faire. je vois Je que n'ai pas depuis besoin. le Parce que début, si tu le fais, tu n'as pas besoin de le mettre. Parce que je dépense mon argent à moi-même pour aider ces enfants-là. Je ne demande pas. Tout ce que je fais, c'est de justement, l'argent que quand vous venez, tu es venu la dernière fois, tu es venu. Je crois que Marie-Larose est venue, elle a vendu les perruques. Toi, tu as donné, je crois, effectivement, 2000 effectivement. dollars. Belen, elle a donné, Président Amor a donné, tout le monde a donné. L'argent que je donnais, c'est l'argent-là qu'on est, c'est bien, on organise tout ça, quoi. Et j'apprécie vraiment ça. Et les gens qui créent les offres, vous voyez même le Nosso, là, le Nord-Ouest, Sud-Ouest, là. Et entre eux, maintenant, il y a des problèmes parce qu'il y a des gens qui créent les organes, qui créent les trucs ici, là, maintenant, aux États-Unis, pour escroquer. Il y a des gens qui ont donné de l'argent et l'argent n'est pas arrivé à Nosso. L'argent n'est pas arrivé là-bas. Nord-Ouest, Sud-Ouest, l'argent n'est pas arrivé. Et ça fait les gens, et ça fait que les gens ont peur quand ils voient un litchi ou bien un fundraiser, un GoFund, ils ont peur de donner leur argent parce qu'ils se disent que Ah non, est-ce que absolument cette pas. Je ne vais affaire-là est pas le vraie? faire parce que je ne comprends pas ce que je ne comprends pas. Hein. Que, bon, mais il faut attendre parce que c'est des gens, enfin, ce monde-là, hein, qui est sur Facebook-là, hein, je ne comprends pas, bon, mais il faut faire quand on dit, bon, ben voilà, on a une association, bon, ben, il faut parler de l'association à longueur de l'année. À longueur de l'année, faire de la publicité, il ne faut pas attendre et tout ça. Ah ben tiens, je m'en vais au Cameroun. Ben tiens, nos enfants ont fait Cotiser, c'est pas comme ça, ce n'est pas ça. Et puis, Mais ce n'est pas parce que ça. Ce n'est pas parce que voilà tu vas au Cameroun que tu vas demander qu'on te donne l'argent, tu vas aller faire donner aux personne, orphelins. ça C'est fait un truc tellement qui se longtemps. prépare, c'est Il y a un des truc choses qui se que se prépare, trouvent c'est un les truc qui est pleurs. intime. Il doit avoir intime dans toute cette affaire-là. Et Justement, le problème des Camerounais, c'est que, Barbara, le Camerounais, c'est les gens qui ont du talent. Moi, par exemple, je peux faire un truc comme celui-là. Comme un truc là. Le Camerounais, au lieu de venir me voir pour dire, Bertini, comment ça se passe? Et même s'il a l'argent, il va aller faire, il va copier, aller faire, sans savoir même comment on le fait.
Et ça va, ça va gâter pour toi parce qu'il a fait ça de son genre, toi qui étais là-dedans. Tu vois un peu. C'est vraiment dégueulasse que les gens copient les autres sans demander. Ensemble, on peut faire quelque chose. Mais les gens se disent qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. On ne valorise pas. On ne va pas vers le prochain pour dire, gars, comment tu as fait pour arriver là? Comment tu as... Je me sens seul. Je ne vois pas un super modèle. Je ne vois pas. Moi, je me suis... Pourtant, il y a des gars. Il y a des gars qui ont du talent. Je ne vois pas un super modèle camerounais. Tu ne vois pas. Donnez-moi un. Je ne vois pas. C'est les Je ne histoires, vois pas. Mais pourtant, il y a des gars, il y a des gars que j'ai essayé de mettre en haut, mais qui sont venus, ils voulaient faire le challenge avec moi. Je ne vois pas. les histoires. Donnez-moi un nom. Je ne C'est vois pas un super modèle, un Camerounais qui a fait, qui est arrivé même, qui est même ce qu'il a fait ailleurs même. Donnez-moi un nom. Je ne vois pas. Je ne vois Mais pas. désolée, tout ça, j'ai pas l'habitude d'intervenir sur ce genre de sujet. Donc, Non, mais bah, je trouve il est minuit, il est midi, j'ai 30 minutes pour aller au boulot là. Je vais arrêter. On va continuer dimanche. lamentable. J'ai l'impression que les Camerounais ont trouvé un truc pour escroquer les gens. Hein. Enfin, je sais pas les gens qu'ils escroquent. Hein. Bon, bref. Hein. Bon, ben, parce qu'il n'y a rien de sérieux là-dedans. Parce que quand on dit, on a un orphelinat en Afrique et tout ça, il faut parler de l'orphelinat à longueur de l'année. À longueur de l'année, faire comprendre, montrer les photos, faire des vidéos et tout ça, parce que Et là-bas, parler même de cet il orphelinat, n'y a rien. donner même la Attends, pas biographie de la cet directrice, orphelinat, on voit les choses, on voit donner les gens en l'histoire de cet Afrique. orphelinat même, donner même l'histoire de cet orphelinat. Comment On ne l'orphelinat a connaît fait pour pas, être personne ne orphelinat? connaît. Bon, bref, on ne montre rien. Bon, mais comment l'orphelinat marche et tout ça? Comment vont les enfants? Comment va tout ça? Bon, on attend. Bon, ok, bon, mais c'est décembre. Ah, ben tiens, c'est les grandes vacances. Allez, bon, ben oh, on a les orphelinats. Les orphelins sont montés, descendus. Arrêtez de vous foutre de ces enfants en Afrique, ok? Arrêtez ça. Arrêtez, moi je vous le dis, arrêtez de vous foutre de ces enfants en Afrique.